Mais attends, attends, Ibrahim, calme-toi. Parce que moi-même, là, la stratégie, c'est de dire, mon il est fini ça. Tu veux profiter pour dire que Moni est petit devant les gens, bien, c'est comment? Non, non, non. Parce qu'on a mis photo Voilà, de c'est pas ça, je Emma. donne. Qu'est-ce que Moni a à voir avec? Voilà, je suis sur, je donne juste un exemple. Après, Gafou. Tu veux profiter pour dire la vérité. Si tu veux me dire ça, dis-moi, si tu as besoin de tout notre jupon. Ça dépend. Voilà, je suis sérieux. Dès que il me photo, quand toi, tu sortais en Facebook et à caméra, le photo qui traîne toujours 24 heures chaque fois là, c'est pas toi, ça a jamais été toi. D'un côté, on te donne Kento. Toi, naturellement, tu n'as même pas Kento. Tu es quelqu'un de clair, naturel. Photo là, c'est pas Emma. Donc, en ce moment, tu Photo là, cries ça pas, là, quoi. c'est Comme tu pas dis, tu ne Emma. vas pas crier, actuellement, tu ne cries pas à ce que tu vois là. Ils ont modifié la photo là. Ils ont modifié photo là. Attends, Ibé, la poutine, on va pas chercher la vidéo, regardez. Va chercher la vidéo alors. C'est C'est pas dans quoi? aussi. C'est dans le canal où. Je pense que peut-être YouTube et Facebook sur Oui. Bachelor. Parce que je pense pas que ce soit elle. Pour retrouver la vidéo sur les pages là-bas. Tu as la vidéo robot. Non, c'est Famille, pas là. abonnez-vous à robot, hein. C'est un média, je dirais, universel. Hein. Abonnez-vous à un robot. Allez sur sa page, abonnez-vous. Bon, il donne des informations, quoi. Plein d'infos. Et j'aide aussi Attends, allez. les femmes Hein? qui ont des activités ici en Europe, promouvoir leur activité gratuitement. Voilà, il fait les placements de produits, quoi. Il peut aller quand chez toi, il te filme, il filme dans ton magasin, il fait une bonne vidéo de travail, quoi. Maintenant, je disais de se rendre directement sur le site de l'émission même en question. C'était quoi même? C'était Canal Plus quoi là? Bachelor, non, l'émission c'est Bachelor. Voilà, tu C'est parles sur. Bachelor? Oui, c'est Oui. Bachelor. Faut taper sur Facebook C'est le Barcelone. nouveau Bachelor ou bien c'est comment? Oui, c'est le nouveau. Mais l'ancien, qui a gagné alors? De taper ici ou bien quelqu'un va taper là-bas. Vas-y, robot, comme toi tu es actif en même temps, vas-y. Vas-y, Bachelor, là, mais c'est plus chic. Hein. JM va gifler Rose Gold. C'est qui est Rose Gold? C'est quoi ce nom bizarre? Famille, n'oublie pas d'abonner à moi aussi. Quand je descends, je vais faire le retour. C'est ma nouvelle page. Hey, la boutique, moi aussi, hein. Je cherche à abonner pour passer en live. Mais hey, ton autre, toi, tu as beaucoup d'abonnés, non? Non, la boutique, je t'ai dit qu'ils ont sauté mon compte. Quand ils m'ont montré ce compte-là, c'est à 2024. cause de ça. Ils ont sauté mon compte. Barcelone 2024. Oh, jusqu'à quand? La boutique, je vois même plus le compte. C'est comme s'ils m'ont banni même. C'est ça qui est arrivé, même moi, mon premier compte là. Abonnez-vous à moi. Quand je descends, je vais faire les retours, s'il vous plaît. Abonnez-vous à tout le monde ici. Pardonnez, il n'y a pas quelqu'un qui vous bloque. JM, va, j'ai fait Rose Gold là. Ok. Petit Ne lis mot. pas les commentaires, sinon on va bloquer tout le monde. Je t'ai dit que c'est parce qu'ils ont la chance, c'est pas mon autre compte là. Sinon, il y a longtemps, j'ai Non, bloqué ne son nom. regarde pas. Sinon, Petit mot. on va bloquer tout le monde. C'est un panel Mettez la polémique. vidéo, on Quand va tu voir vas la faire vidéo. bloquer, Parce que bloquer, ça bloquer, là, on finit, on franchement. va se retrouver seul. Moi, Je bon, à comprends. partir du moment où j'ai dit que j'ai un peu modifié la vidéo là, parce que quand elle venait là, en devant et puis derrière n'est pas la même chose. Ah. Est-ce que vous m'écoutez même? Hmm? J'avais dit Barcelone 2024. Barcelone 2024. Robot, ça s'est terminé comme avec le petit là, et le jeune qui a mal au pied là, hier, l'argent. Vous avez vu combien? Je ne sais même pas, il n'y a pas cousin sans moi. Ah, moi, mais il n'y a pas Il cousin. était en clash 2 jours là, donc. Ah. Il est en clash avec Christian de Toulouse, là, petit qui a laissé. Il a enceinté une go et puis il a laissé Dites-moi, là. écoutez là. Oui. Oh, j'ai vu En ça. fait, lui, au début, il n'avait pas compris le sujet. Il a défendu le petit. Mais après, c'est la go même qui est sortie, elle a donné témoignage. Maintenant, lui, il a changé sa veste. Le fait qu'il a changé sa veste, petit aussi avait remontada maintenant vers lui. Pour dire, tu n'es plus brutal, tu es devenu maintenant blogueur sur TikTok maintenant. C'est ça qui a énervé le vieux aussi, lui aussi. Déjà, il est en train de le bien depuis hier. Mais Okay. il ne trouve pas la vidéo. Je sais pas, il a tapé le nom Moi, je Bassalo. ne pense pas. Tu vois, moi, je ne pense pas, franchement, parce que. Attendez, je vais mettre un truc là, ça.
Il y a quelqu'un en bas, je sais pas, il y a quelqu'un en bas qui dit qu'elle a la vidéo, je sais pas. Ok, donc faites descendre Bilal. Moi. Ah, voilà. Kadi, fais ta demande. Kadi, déjà dit, fais ta demande s'il te plaît, ils vont te prendre. Ibe, tu vois. Fais ta demande. Elle est en privé. Fais ta demande, la poutine va te prendre. Parce que moi, je n'ai trop peur. Là. Kadi, tu as la vidéo? Oui, j'ai la vidéo. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Donc, tes mains, je vais montrer. Non, je vais envoyer. Je ne sais pas comment on fait pour envoyer. C'est mieux, j'envoie à une personne. Envoie à Brio, alors, Brio. D'accord. Brio, là-bas, tu... Donne-lui pour ta... Élément, tu es là. Okay. Brio. Bonsoir, tout le monde. La poutine, bonsoir. Bonsoir, Élément. Bonsoir, Élément, ça va. Ça va, ça va. Tu vas prendre la vidéo, là, puis tu vas mettre pour nous. Ok, ok. Ok, faut t'abonner à Brio, tu vas prendre la vidéo, là. Ok, ok, d'accord. Élément, fais le retour. Bon, avant ça, là, Kadi, est-ce que c'est elle qui est là? Non. Dans la vidéo, c'est bien, non? Oui, la vidéo, c'est bien présentable. Tu as vu, donc les gens, c'est ce que, donc j'ai raison, alors les gens là, l'ont modifié. Parce que moi-même, j'ai regardé l'émission, mais il y a une grande différence, mais j'envoie la vidéo quand même. D'accord, faut envoyer à Brio là-bas, Brio. Bonne toi. Ok, merci. Merci, ma chérie. Donc, on attend la vidéo. Ok, d'accord. Parce que trop, c'est trop. Les Ivoiriens n'ont aucun respect pour leur personnalité publique, en fait. Elle va voir sa forme comme ça et puis elle va sortir pour aller faire l'émission. Mmh, en même temps, elle va prendre 30 secondes pour se retrouver en États-Unis, pour se réparer à nouveau. Et ça, elle est bête. Ivoirien. On peut tout dire que... Mais on ne peut pas dire qu'elle est bête. Ivoirien. Elle va prendre avion en même temps. La petite dit, ouais. Elle va annuler même émission en même temps. Mais attends, la petite veut te parler. Attends, je trouve là, il t'a fait quoi? Hein? Je n'ai pas compris. Garçon, les deux, c'est pas toi. Il y a la petite qui veut te parler. Elle a dit, ben, je vais te parler. Tu veux prendre 30 secondes pour aller où? Jean, c'est toi qui es le secrétaire. Le secrétaire de la poutine, quoi. Dis, on prend 30 secondes pour arriver où vous allez. Pardon, il n'est pas ta force, mais tu le sens. Hein? Mais tout le monde sait que quelqu'un qui prend soin de son corps, quelqu'un qui a fait combien de chirurgies, 162 chirurgies, et puis sa forme est comme ça, elle va sortir dans l'émission. Comptez 162? Oui. Mais elle va prendre 30 secondes pour arriver au centre. Qu'elle va voir sa forme comme ça, elle va aller dans une émission. Question, elle va jamais faire. Elle va annuler. Hein? Elle va prendre 30 secondes pour aller où? 30 secondes pour aller en France. Le beau que tu veux là. Je ne veux pas te donner ça ici. En France. Elle me corrige toujours quand je dis beau là. Mais ça rend l'autre oreille, ça sort l'autre oreille. On est vieux. Il n'y a rien qui peut rentrer dans l'autre tête maintenant. Ibrahim, il m'a pas dit États-Unis, moi. En États-Unis. États-Unis, qu'est-ce que c'est? 100 jours que j'ai fait. 30 secondes. Ibrahim, attends, il dit États-Unis. Comment il entend, man? Il dit en États-Unis. Non, c'est. Il faut pas dire. C'est français et bambara que je mélange. Ah, États-Unis. D'accord. Donc, c'est déjà bon. S'il a dit qu'il est guinéen, là, on est mort. Il n'est pas guinéen. La marraine est en. Comment ça s'appelle? La marraine est en commentaire de me clasher. Monte ici, la marraine. Monte. J'ai dit. La vidéo, la brûle, tu as reçu ou pas? Pas reçu. Elle m'a fait le retour. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à accepter sa demande. Donne-lui ton numéro là-bas rapidement. Elle va t'envoyer. Parce qu'elle ne peut même pas t'envoyer. Donne-lui ton numéro. Même si. Même si tu veux pas. Elle va voir. Écris le numéro, va avoir. Ouais. Non, aujourd'hui, là, ça ne m'est pas d'accord avec ça. On peut attacher quelqu'un, mais c'est pas trop fait. Quand on est divisant de foutu, et puis un coin est long. Il te dit. La marée, quand tu ne montes pas, tu vas monter parce que tu ne peux pas me clasher en commentaire que tu ne montes pas. Monte, on continue ça en haut.
C'est pas sa femme, ça. Emma, avant, sa femme était tout... Elle est partie refaire. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille, c'est comment? En fait, Aya, je vais vous expliquer un truc. Emma, c'est pas parce que sa chirurgie est ratée. Je vous explique. Parce que ses pieds sont X. Donc, c'est ce qui fait que la... Comment on appelle? Et puis, son cul est long. Donc, c'est ce qui fait que ça donne un... Comment on appelle? Non, c'est même pas pieds X même. Tu sais, avant, elle avait petit... Elle a petit, petit pied. Elle est la pire. Voilà, justement, c'est ça. Elle a petit, petit pied. Et puis, maintenant, fais ce qu'elle était partie mettre là. C'est plus. Parce que quand tu veux faire la forme aussi, la forme, fais selon tes pieds. Est-ce qu'on peut me mettre en gras? Non. Tu n'as pas petit à petit. Est-ce que tu as retrouvé la vidéo? Petit, 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 gros cuit. C'est pas bon, c'est vilain, tu vois. Quand c'est fait de façon naturelle, quand tu es né naturellement, petit, petit pied et gros cuit, ça va. Mais quand tu n'es pas né naturellement, quand on dépose dessus là, c'est bizarre. Ça, c'est vrai. C'est bizarre. C'est ça qui était bizarre, mais elle a. Voilà, oui, la vidéo. Mais on peut pas enlever ça là. Tu dis quoi? On va aller sur le canal parce que lui là, il a mis son truc là, on voit même pas bien. Attends, attends. Vois sur. Attends, il a trouvé une autre solution. Revois à tous les. Là, ça se voit clair, non? Non, c'est bon, attends. Il y a Brio Lava qui a reçu. Ah, oui. C'est bon. Remets en avant. Brio, on n'entend rien là. Moi, demi-toi. Parce que je ne sais pas c'est qui va partir, qui va rester. Il y a les qualités que la vie voit dans chacune, donc je ne suis pas sûre, mais je suis. Bon adieu à la mine. Donc à vous de jouer. C'est ça, c'est fragile parce que je ne sais pas c'est qui va partir, qui va rester. Il y a les qualités que la vie voit. C'est elle, c'est elle. Excusez-moi. J'ai dit ça. Non, c'est elle, c'est elle. Je vais me respecter. Je te vois des excuses. Tu as vu? Non, c'est elle. Pardon, je n'ai pas péché au pardon. Que la vie me voit dans chacune. Non, non, il n'y a aucune modification. Je suis confiée que c'est moi qui va rester une couleur. On va passer au cocktail. D'accord. Oui. Voilà, et une soirée sans la mine. C'est pas possible. Une soirée. Voilà. Alors, on va appeler pour qu'il puisse nous rejoindre. D'accord. On pense. Ok. La mine. Là. Allez, levez. Aya, sans te mentir, hein. C'est elle. Moi, mais je allez, levez, c'est elle. Ici, non, là. C'est elle. C'est elle. Mais qui a filmé derrière là comme ça? C'est le caméraman parce qu'il doit zoomer différents angles. Tu vois, non? Non, non lui-même, il a montré lui aussi. Non, c'est elle. Il dit, non, attendez, calme. Je vous ai parlé. Non, vous avez dit que j'exagère. Voilà ça. On avait des Emma Louesson, je pense, attendez un peu. Il dit, quand tu es sur la vidéo là, c'est que vous n'avez pas la vidéo. La vidéo pourquoi là. Elle a mal au pied. Elle n'a pas mal au pied. La vidéo là, ça là, la partie à regarder, si ça n'a pas été modifié. Ça là, cette photo, ça là, ça a été modifié. Quand tu. Non, mais où elle est arrêtée là, pardon. Il est mal à vidéo. Je sais pas comment vous expliquer. C'est Brio, reprends la vidéo, s'il te plaît. On est devant 1500 personnes, s'il te plaît, reprends la vidéo. Reprends, tu n'as pas même d'où elle a arrêté, c'est qu'on a vu. Attends, pour reprendre, et puis tu zoomes un peu. Approche-toi un peu, s'il te plaît. Il a mis ça sur l'ordinateur pour qu'on puisse bien entendre même. Il répond à la vidéo. On n'a pas bien entendu, on verra l'image. Allez, oui. Deux d'entre vous devront c'est faire leurs adieux à la mine. C'est ça. Donc à vous de jouer. C'est ça, c'est fragile parce que je ne sais pas c'est qui va partir, qui va rester. Il y a les qualités que la... Non, c'est elle. Il a dit que c'est un peu ça a été un peu modifié. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand il y a la vidéo, ici, la vidéo est tellement claire que... C'est même chose, c'est même foutu, là, on voit là. C'est même foutu. Non, c'est même foutu, là. C'est même foutu, là, on voit là. C'est le bon mouvement. Parlez dans le respect, s'il vous plaît. Il est en train de faire coucher tout le monde. Oui, ben, moi, au fait... Brio, c'est elle.
C'est pas elle. Moi, en tout cas, moi, je suis gamin, c'est pas elle. Quoi remettre routine, robot. Oui. Ça, c'est une image que tu as mis. On dit on veut vidéo. C'est okay, la vidéo. Attends, vous allez voir la vidéo. C'est la vidéo que moi, j'ai regardé tout à l'heure. Ok, je mets Bouillon. Bouillon, mets la vidéo. Mets la vidéo, je vois. Donc, à vous de jouer. Ce soir, c'est fragile parce que je ne sais pas c'est qui va partir, qui va rester. Bouillon, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un filtre sur ton téléphone là, c'est pas. Bouillon, faut enlever filtre dans ta vidéo là. C'est ça que ce filtre là qui modifie les choses. Est-ce qu'il y a filtre? Il n'y a pas filtre. Il y a filtre. Il faut enlever filtre là-bas. Et quand, dès que tu bouges, filtre la bouche pour aller sur leur visage. On dirait avec de l'éclairage peut-être. Non, il a mis un filtre. Il a mis un filtre. Si le filtre est dessus, ça peut rendre sa forme bizarre. Il faut enlever le filtre. Oh, ok, ouais. Je pense que c'est bon. C'est bon? Il y a plus si interdit là même. Ouais, il pense qu'il y avait un filtre. Adieu à la mine. Donc à vous de jouer. C'est soit c'est fragile parce que je ne sais pas c'est qui va partir, qui va rester. Il y a les qualités que la mine voit dans. Je ne sais pas c'est qui va partir, qui va rester. Il y a les qualités que la mine voit dans. Rester. Il y a les qualités. Il a bloqué la vidéo. Pourquoi tout le monde s'est muté? Non, peut-être que la poutine... La poutine, peut-être qu'elle regarde. Ou bien elle a pris son téléphone pour voir bien regarder de près qu'au fait. Arrêtez la mauvaise foi, vous aussi. C'est elle. C'est pas elle. Est-ce que Mamoun Glagla est là même? Mamoun, tu es là? Elle dort. Il a parlé ici. Vous m'avez grigé, crucifié. Je vous dis que moi, c'est j'ai une question. Hein. Est-ce que les vidéos, même qu'on a postées là, ce n'est pas des vidéos modifiées? Non, ici, c'est Canal Pop. Hein. C'est Canal, mais c'est les maris. Ça, c'est ma rédiffusion. Non, ça, c'est Canal. Mais ma rédiffusion est Canal Pop. Non, non. Il ne faut pas prendre une vidéo de ma rédiffusion. Va sur Canal même, chez eux-mêmes. Aïe! Ça, c'est la ma rédiffusion. Même dans la vidéo, là, tu vois qu'il y a un montage. Non, excuse-moi, il n'y a pas. Ils ont modifié la photo. Non, ils n'ont pas modifié la vidéo. Voilà, moi, il a dit ça, mais bon, après. Non, ils n'ont pas modifié la vidéo. Non, mais la poutine, quand tu as dit pas de modification, tu as dit pas des gens à quel niveau comme ça? Il y a pistolet au niveau des pieds. Non, sérieux, au niveau des pieds. Là. Ils ont mis des pieds. Regardez. C'est vrai. Prenez le pied qui... Attends, je vais vous mettre. Au niveau des pieds, il y a un montage. C'est pas qu'on n'a pas être honnête. Oui, même ma pote, le menu ici, on voit bien ses pieds. Au niveau des pieds, regarde. Le pied qui est là-bas. Ah, même sur un pied. Le pied n'arrive pas à se toucher. Et puis, il y a l'âge aussi qui est là. Vous avez oublié ça? Non, pas de... Au niveau des pieds, il y a un montage. Regarde. Au niveau des fesses aussi, il y a un montage. Tu t'es endormi, Aïcha. Aïcha, André, tu es quoi, Yamso? Ça, c'est montage. Il y a montage. Aïcha, quoi, Yamso? Aïcha, tu es Koyamso. Toi, tu es venu en France ici pour être Koyamso. On attend les pères Béret, là. Si on t'a demandé, c'est toi qui es trop marié. Hein? Non, mais sérieux. Béret, on attend les faits, là. Tu as raison, on gêne dans les voitures. Genre, tu es trop marié. J'espère que. Souké. Okay. Hey, on est au même qu'à le fond, ta prince. Genre, c'est nous, on n'a pas marié. Ah, c'est. Ok, on a quand même chéri, mon chant, fait comment? Ok, bonsoir ma grande sœur Aya, comment tu vas? Bonsoir, quelqu'un a dit d'en bas d'aller prendre les vidéos de. Je voulais prendre deux minutes du temps. Bonsoir, elle va bonsoir ma grande sœur Aya, je vais prendre deux minutes, pas plus, pas moins. Déjà, je t'apprécie beaucoup. Moi, je suis blogueur, camère et ivoirien dans le sang. Donc, je voulais te faire passer un message de ne pas t'attarder à certaines personnes qui te méprisent. T'es une bonne personne, tu sais ce que tu veux. Moi, je suis monté pour ça, pour te dire cela. Et quant au Camerounais, là, l'oiseau qui t'a manqué de respect, là, ne réponds même pas parce que je me suis déjà commencé à me charger de ça aujourd'hui. Donc, ceux qui étaient là aujourd'hui peuvent te confirmer, le travail va se régler bien
Donc, tu n'as même pas besoin de répondre. Tu vas seulement constater. Voilà. Non, j'ai pris le problème à main. Ça ne chauffe pas. Quand mon acte manque de respect, moi-même, je m'assois propre. Tu as le droit, quand tu es blogueuse, tu as le droit de te prononcer, tu as le droit de dire ce qui ne va pas. Donc, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé le temps ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. De rien, ma grande. Famille, abonnez-vous à lui pour lui donner de la force. Donne mon téléphone. Merci, coach. C'est vraiment merci, ta femme. Non, mais moi, j'ai dit que c'était... Avant difficile. Même de poursuivre, là. Tu sais, la dernière fois, dans l'affaire de Marcel Pérez, paix à son âme, les gens m'ont... Je t'ai entendu parler où Aya, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Actuellement, là, la maman de Marcel. N'arrive même pas à faire certaines choses par rapport à lui. Mais ils m'ont appelé parce que la maman veut qu'on dénonce. J'ai dit, je ne veux pas parler. Si elle veut, là, Yaka va lancer live. Elle va monter là-bas et puis elle va parler. Parce que quand elle a commencé à parler ici, là, les gens m'ont insulté. Son enfant n'est même pas encore enterré qu'actuellement, là. Elle pleure autre chose. Je peux bien, mais tellement les gens sont mauvais, là. J'ai préféré, je lui ai dit, franchement, moi, avec tout le respect, je ne veux même pas parler dedans. Voilà, parce que quand il a parlé, là, les gens ont trouvé occasion. C'est ce que je disais. C'est ça qu'Antoine se répétait. Donc, si elle veut elle-même, elle va monter dans l'œuvre de Yaka, puis elle va s'exprimer là-bas. Moi, j'enlève mes pieds dedans. Parce que l'affaire-ci est très profonde. Très, très profonde. Mais je préfère ne rien dire. Il faut voir tout. Ils sont, il y a pardon. Je dis, ils ne lancent pas live sur ça. Parce que quand les gens sont en train de parler là, vous n'êtes pas sortis pour dire que... Voilà ça. C'est quand Aya, je ne peux pas venir m'asseoir. Je suis un être humain. Je sais que la mort, on ne joue pas avec. Mais si j'ouvre ma bouche et dis quelque chose, c'est que je sais que j'ai la véracité de ça. Je ne vais même pas vous expliquer ce que sa maman vit en ce moment. Mais vous serez assis sur la toile ici. Elle va sortir forcément pour se plaindre. Parce qu'il y a des graves soucis, des graves problèmes même concernant... Vous ne serez même pas prêt à écouter. Je dis, ce n'est pas sur mon panel que ça va se faire. Je préfère me mettre à côté. Si Yaka veut bien, parce qu'ils ont contacté aussi Yaka, il va lancer son live... Et puis, il va parler de ça. Si je peux monter là-bas, je monte. Si je peux intervenir, je interviens. Sinon, je ne veux même pas être lancé live ici pour venir expliquer. Tout ce qu'ils m'ont envoyé là, c'est trop lourd. C'est lourd jusqu'à... Je ne sais pas où il y a mes mettre. Mais je décidais de ne rien jouer, de ne rien mettre. De ne rien montrer. Hein, ceux qui disent qu'ils aiment Marcel plus que nous, qu'il est mignon, là, ils n'ont qu'à lancer live. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais moi, Aya, je ne reviens plus dessus. Je ne reviens plus dessus. C'est trop lourd. Et ça, là, ce dossier-là, s'il est pris, il a fait ça tellement propre. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a dit vraiment, la maman n'a qu'à m'excuser. Je comprends sa douleur. Je compatis à sa douleur. Elle n'a qu'à m'excuser beaucoup. Elle n'a qu'à donner à quelqu'un d'autre. Ou bien quelqu'un d'autre n'a qu'à parler de ça. Ou bien elle, même si elle en a marre, elle lance son live. C'est mieux. Mais que Dieu la fortifie. Parce que c'est... Ah, bref. Revenons dans le sujet. Revenons. Non, je viens pas à faire d'ailleurs, pardon. Je rentre pas. Je... Aya, c'était Aya, le blogueur avec, qui était là. C'est ça avec le père. Hein? Le blogueur camerounais qui était sur ton truc tout à l'heure, il demande de remonter qu'il va te dire un truc encore et tout de suite. Je Il n'a pas fait sa demande, il n'a pas fait de demande. C'était avec le cœur brisé même. Fallait que ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer. C'est pour ça que moi, j'aimais ces enfants-là. Il doit prendre ce combat à bras le corps. J'ai que les. Non. Francesca, avec tout le respect, moi, il y a pour toi, là. C'est quel live tu es venu t'asseoir pour faire, là? C'est que souvent, même, l'homme avait été. Bon, il faut faire mes têtes. Hey! Vous avez œuvré ici pour diviser les deux enfants-là. Aya, vrai, Aya, c'est pour diviser. J'arrive chez mon chéri pour diviser les deux enfants là. C'est que c'est parce que c'est mes bébés, non? Je n'ai jamais voulu mettre ça sur internet. Ça aujourd'hui vous allez venir, ça dit, hey, Chris, vous faites trop rire en fait. Vous faites trop rire.
C'est pour pousser l'homme à parler et puis vous allez venir vous asseoir pour. Je sais pas. C'est quoi ces comédies là? Si José n'était pas une personne intelligente là, il y a longtemps, vous, il y a beaucoup de choses ici. Mais comme c'est quelqu'un, elle prend tout sur elle. Ces femmes-là, elles sont rentrées. Ces personnes-là sont rentrées dans la vie des enfants-là. Leur mettre les tout dans la tête. Chacun a choisi son camp pour les diviser comme ça. Fion, 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 fion. Quand Marcel vivait là, celle qui est sortie pour pleurer, là, elle était plus celle Chris. C'est Chris qu'elle a soulevé pour déposer sur elle. Et il y a eu Bakbatoya de toi à 10 mois, à 10 mois, même si vous passé avec Araba, et puis il y a eu problème là. Entre les enfants là, j'ai toujours les audios là jusqu'aujourd'hui. De toi à 10 mois, à 10, pour diviser, jusqu'en des audios de des trucs sur José, tout ça. Quand je les vois audio après la mort de Marcel, ils font, ça me fait rire quoi. C'est trop de comédie. Les vraies personnes, là, quand vous regardez dans les yeux, vous les connaissez. Je préfère m'arrêter, quoi. Parce que j'ai vu sa vidéo, et puis il dit qu'attends, celle-là veut me pousser à bout, viens. Elle veut me pousser à bout, et puis, je préfère garder mon sang-froid. J'ai envoyé à quelqu'un, il dit, mais celle-là fait quoi? Bref, revenons dans le sujet. C'est mieux. Oui, dis-moi, mon chéri, je t'écoute. Voilà. Aya, tu vois le maigrichon qui t'a manqué de respect, là? C'est qui ça même? Le maigrichon là, qui t'a manqué de respect jusqu'à les gens partagés partout, partout là. Le maigrichon là qui vit là en Europe là, quand tu as fait ton message là, tu as dit à Bale et Woubile, il est sorti de venir te clasher là. Il t'a clashé, ça va tirer là comme ça. Mon chéri, je n'ai jamais... Écoute-moi, écoute-moi. Je n'ai jamais dit à Bale et Woubile. Moi, je n'ai jamais fait de combat de à Bale et Woubile. Voilà. Mon combat, c'était la pédocriminalité, c'était pas les Woubi. Voilà. Jamais. Fais abattre les Woubi, jamais de la vie. Oui. Moi, je vis en France. Jamais, mais jamais. Je suis civilisé, je vis dans un pays voilà. Où c'est légal. Pourquoi merci. Je m'assois dans le pays là pour dire abattre les Woubi? Merci. Merci. Parce que j'ai dit, ça c'est la manipulation, tu comprends? Parce que j'ai dit, mais j'ai jamais vu de vidéo où elle a dit cela. Elle vient en Europe. Comment quelqu'un qui vient en Europe va venir dire, eh ben, elle est consciente, c'est que non, si elle va dire, ça va lui porter préjudice. Il a proféré des propos malsains. Mais je vais te dire un truc, si tu me c'est permets. Qui ça, dire, c'est qui? Si tu me permets, je vais te montrer, c'est un truc. Oui. C'est qui ça? Si tu me permets, je vais te montrer, c'est un truc que tu vas voir. Toi-même, tu vas voir la personne qui t'a insulté. On va voir entre toi et lui qui est la traîne. Si tu veux, je vais mettre, ça ici, quoi. Non, pardon, si c'est un non-aime, là, pardon, laisse-le. Il n'est pas non-aime, c'est Nivanus, là. C'est lui. Je ne le connais même pas. Voilà. Je ne le connais même pas. Il s'assoit, il parle de toi. Non, 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 moi, je pense que, frère coach, non, je m'en fous. Ici, là, je ne sais pas c'est qui, je m'en fous. On ne fait pas ce qu'il veut. Le jeu, on ne fait pas les règlements de. Les règlements de compte ici. Même pas. Ne mets pas la photo de quelqu'un ici manqué pour. De respect, il a manqué de respect, la façon qu'il a parlé. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'Aya, c'est sa camarade? Faut laisser, c'est pas faut grave. Mon chéri, c'est pas grave. D'accord. Oh, on s'en fout. C'est, voilà. Tu avoues, je sais même pas c'est qui, d'ailleurs. Donc, laisse tomber. C'est pas grave. D'accord, faut même pas avoir mal pour ça. D'accord? Faut même pas cesser à rentrer dans ça là, parce que. Ben oui, c'est ce que je veux dire. Quelqu'un va venir mettre photo de quelqu'un ici ou les captures et tout, va chercher les problèmes. Si il y a les rues couchées qui gèrent ça entre eux là-bas. Nous, on parle des Emma. On dit position des Emma là. C'est vrai ou bien c'est le bon? C'est parce que moi, voilà. Ça m'a énervé, ça m'a karma énervé. Il n'y a pas de problème, coach, merci beaucoup, merci, on a compris. Non, t'as raison, mon frère, t'as raison. La position pas, hein. De Emma là. Je Emma, c'est le bon ou bien hein? C'est pas le bon? Hein? Bon. Non, mais il a dit qu'il devait. Tu as fini là, coach? Mais tu veux rajouter quelque chose d'autre? Je voulais aussi dire par rapport aussi à l'image de, que j'ai vue pour Emma, c'est, vous savez, il y a des gens qui ont retouché la vidéo, vous comprenez un peu? Mm-hmm. Parce que c'est la façon, ce que j'ai vu à la télé, c'est vrai, c'était un peu drôle, mais ce n'était pas comme celle-là. Mm-hmm. Ils ont juste rétréci au niveau de, vous avez dit, au niveau de son derrière, ils ont rétréci. Mm-hmm. Tu vois un peu. C'est vrai, c'était un peu drôle, mais c'était pas trop comme ça, comme celle-là. Bon, moi, je trouve qu'ils ont rétréci. Je trouve qu'il y a eu un montage même. Voilà, oui. Ils ont rétréci. Parce que de nos jours, maintenant, même dans Snapchat, tu peux poster une belle photo. Aya, si moi, je vais te dénigrer, je vais sûrement partir dans Snapchat, je retravaille la photo. Et puis maintenant, je vais venir mettre. Or, maintenant, si toi, on met la vidéo où tu es présentable normalement, on verra que j'ai fait des retouches.
Non, je suis d'accord. Ça. Je suis d'accord avec toi, franchement. Moi aussi, j'ai dit qu'ils ont modifié. J'ai dit qu'ils ont modifié. En tout cas, merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Oui, la famille, comme il a dit qu'il est blogueur camerounais, abonnez-vous à lui. Si jamais il y a un sort au Cameroun, on va aller s'affairer chez lui. Merci en tout cas d'être passé. Merci, merci. Merci, Aya. Merci pour la force, Aya. Merci. On est ensemble. Ok. Brio. Brio. J'ai dit qu'il faut aller sur Canal, ce Canal eux-mêmes. Hein? Oui. Va sur Canal. Canal quoi? C'est Canal quoi? Dis-moi. La poutine, la poutine. On coupe le coup. Hein. Mets-moi en grand. Là, comme ça. Mais quand tu as modo, si tu peux te mettre en grand, il y a quoi? Et c'est pas encore modo. Si tu m'as mis modo ici, là. Hé, hey, la poutine. Mais Black Angel, donc ton autre compte là, je supprime ça alors. Faut supprimer la poutine. La poutine, supprime, tu mets la va en modo. On coupe le coup tout de suite. Vas-y. On dit c'est my canal. Mais ne bloquez pas, mutez-les, ne les bloquez pas. Et moi, j'aime pas quand vous les bloquez. Non, il n'y a pas bloqué, il n'y a pas bloqué la poutine. Pas bloqué. Voilà, quand ils viennent raconter, vous les mutez. D'accord. Moi, je ne bloque pas, moi, je mute dans tout le live entier. D'accord. Tu appelles Dinka la nuit, elle a sommeil, elle est en train de dormir, Kilou. Si elle décoche, tu as lui parlé, ouais. Oh, cliente. Attends, vas-y. Arrête d'appeler les gens, ils dorment. Oui, c'est pire. Là, voyez la forme, là, sans habit, sans tout. Voyez la forme. Attends, j'arrive, hein. Attends, je vais. Fallait que j'enlève qui Angel, tu dis, j'enlève ton autre compte. Oui, enlève, la petite. Ok. Ok, vas-y, monte. Attends, je rajoute ici d'abord. Bah, je rajoute ça, c'est ça? Je rajoute ce compte-là? Oui, la poutine. Je fais pas pepperoni. Non, pepperoni. Ok, c'est bon. Merci, la poutine. D'accord. Hein? Mais, hein? Regarde ici, là. Ah, vous aussi. On coupe le cou en même temps. Et derrière, tu as monté devant et derrière. Monte de dos, s'il te plaît. Non, de dos, de dos. Attends, de dos, il n'y a pas encore reçu, mais il ne sait pas si on fait ça, c'est du bien. Mets dedans, on va faire la tournée. Elle ne tourne pas, hein. Montre où elle tourne. Je ne sais pas si ça va être tourné. Ça va bien. Elle tourne à côté. On veut une vidéo où elle tourne bien même. J'ai trouvé ça tout de suite. Je connais mon karaté, je connais mon karaté, je connais mon karaté. Mais j'ai dit que c'est plus facile le karaté, tu vois. Il y a plus de karaté. Hein? C'est plus facile le karaté. Mais déjà là, on voit bien la forme. Attends, on voit pas très bien, mais bon. La moutille là, on voit très bien, non? Non, on ne voit pas bien, c'est de côté. Généralement, c'est les bancales qui ont pied comme ça. Hein. Parce que... Ça, là, tu as déjà mis Brio. Tu n'as pas nous répéter ça? Vidéo où elle se retourne, on voit. Non, il y a trois vidéos. Il n'y a pas dû chercher encore. Cherche, va sur son compte. Peut-être qu'elle a posté des vidéos là-bas où elle va faire le sport, où elle va tourner. Oh, merci MK, t'es un amour. Merci beaucoup. La poutine, c'est ça, je disais. Parce que normalement, on dit pieds, ils se croisent. Pourquoi ses pieds ne se croisent pas? Parce que pourquoi ses pieds se croisaient avant? Parce qu'elle était en chair. Et là, elle a perdu excessivement de poids avec l'âge. Donc, c'est ce qui fait, c'est retomber là. Oui, c'est comme quand une personne de surpoids, les apoutchous là, tu vois, quand apoutchou devient perd du poids, tu vois ce que ça fait? On remarque tout de suite. Il y a la peau qui tombe, avec l'âge aussi, ça s'affaisse, c'est tout ça. Ok. Bon, moi, tu ne tenais pas trop en temps de me convaincre. Là, moi, je ne suis pas d'accord parce que le maigri dont tu parles là, ce n'est pas pareil. Je ne suis pas entendu. Là, tu ne m'as pas convaincu. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi aussi. On s'écoute. Maigri comment? Vas-y, explique.
Emma Louès, son âge, on ne dira pas que Emma Louès a 40 ans. Elle n'a pas 40 ans. Donc, tu ne peux pas dire qu'avec l'âge, elle n'était pas excessivement aussi grosse que ça. Donc, on ne parlera pas de ça. Voilà. Non, mais quand je dis l'âge, mais elle n'a plus 18 ans. Elle n'a plus mineure. Mais elle est encore dans le flambeau de l'âge. Elle n'a pas aussi 40 ans. Donc, la peau ne peut pas tomber comme tu dis. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, King. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord, franchement. Non, je n'ai pas dit... Attends, est-ce que je me fais comprendre? Ok, prends une photo, va regarder une photo de... Attends, Glagla, si on a demandé à Glagla, elle a loué une chambre ici, quoi. Tu montes, tu te mutes, on ne te parle, tu ne réponds pas à quelqu'un. Elle dort. Madame. Brio, tu as retrouvé? Moi, mais j'ai une vidéo de Emma. Attends, il y a pas mon téléphone. Je suis sur la vidéo là. Je pense que je l'ai ici. Viens, mon cœur, viens. Même le visage. Attends, moi, on m'a envoyé une autre photo bien chic d'elle. On va mettre ça. Regardez sur cette photo-là, comme elle est magnifique. Mais Ayaza, c'est seulement en haut là qui est sorti. Non, on parle du côté. La petite maman, s'il te plaît. Hey, mais oh bien, voilà sa femme bien chic. Bon, il ne faut pas aller prendre où elle est en fait sport. Ça, c'est position du déplacement des fesses. C'est ça, c'est ça. Bon, tu triches. Il y a combien de photos? Non, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas tricher. Tu vas prendre tout le monde quand tout le monde va faire ça. Attendez-moi, il y a montré un truc, non. Patron, je suis avec toi, King, tu verras ici. Regardez, elle met un truc, non, vous allez voir. Attendez, on va voir ça ensemble. Voilà. Si on a demandé, c'est la même chose, quoi. On va attendre ma vie. Regardez, c'est rasé, hein. Toi, tu prends toujours les photos. Non, bon, faut enlever les vidéos où on voit des écritures là, c'est pas un truc. Yeah. On voit rien puisqu'elle est assise. Ici même, elle était en forme. On est dedans, donc c'est pas grave, j'y reviens encore. Non, mais ne trichez pas aussi, mine de rien. On triche pas. Oui, ça bien zoomé là, bien zoomé caméra, ça n'est pas bon moment. On veut pas une vidéo de profil. On t'a dit quelle vidéo faut. Et ça là. Mais ça c'est bien visible. Ah, y a des positions. Vous allez vous fatiguer pour ne rien. Position de quoi? Non, elle dit, on est en train de débattre, mais je veux pas que ça soit, tu vois. Ouais. Chacun amène ses arguments. Parce que les gens, ils profitent de la situation. Emma, elle est trop... Moi, j'ai une belle photo d'elle ici où on voit bien sa forme. Attends, je vous envoie ça.
Bon, avant de vous mettre la photo, attendez un genre. S'il vous plaît, tapotez partager, s'il vous plaît. Sécurisez le live, tapotez partager au maximum. Merci. Ok, vu qu'on sait... Attends, oui, je viens, cherche une autre vidéo, bien, arrête de tricher, ne mets pas les taux de profil, mais où on l'a... bah oui, tu triches, wesh. Ok. On ne peut pas parler de la personnalité en personne sans parler de ses activités. Bon, apparemment, il y a des promotions en ce moment en P17. Bon. Promotion des fonds d'éteint, promotion de rouge à lèvres. Les mèches sont en promo pour les pour décembre. Ferme ton micro, Brio, s'il te plaît. Pour le mois de décembre, là, actuellement, là, si tu es en P17, là, perruque, promotion, rouge à lèvres, promotion, fond de teint, promotion. Elle dit que vous, là, votre amour que vous avez dans vos poils, c'est dans vos bouches. C'est dans vos bouches. Sinon, vous ne la soutenez pas. Il y a la vidéo ici. Yemet. Attends, Liliane. Elle dit, mais Emma Love, là, si c'est pas dans leur bouche, ils disent qu'ils m'aiment, là. Quand ils font mes activités, là, ils ne me soutiennent pas. Donc, moi aussi, là, quand je vais faire mes trucs, là, quand ils ont leurs problèmes aussi, je vais pas... Je pense que j'ai la vidéo, non? Je pense que j'ai ça. Où elle vous disait ça? Attends. Donc, on critique, mais il faut soutenir. Hein? Voilà. Donc... Ça sera bien si vous faites un tour en P17 pour aller vous ravitailler dans les perruques, mèches. Il y a tout quoi. Il y a les perruques, il y a mèches. Voici les numéros qu'il faut contacter. C'est ça que je vous ai mis là comme ça. Attends, j'arrive. Hein. Je cherche la vidéo. J'avais ça. Je ne sais même pas où c'est. Je cherche la vidéo. Elle dit, vous ne la soutenez pas. C'est d'avoir bouche. Et puis sur Internet. Mais quand on parle de soutien, là, j'avais mis la vidéo, c'était sur mon Snap. Bon, bref, quand on parle d'elle, là, on va avancer, je ne sais plus. Donc, pour tous ceux, là, en train de faire publicité, ils sont descendus. On était à 1500 personnes. Dès qu'il a mis la photo de publicité, là, on est devenu 1200 personnes. On peut faire ça. OK. Pour l'éducation de vos enfants, elle a lu son livre, là, Les yeux d'Emma. Poutine, Brio a trouvé la vidéo où on la voit bien. Attends, j'arrive. Brio, attends, calme-toi. Ferme ton micro d'abord, j'arrive. Pour les yeux d'Emma, allez prendre le livre. Hein? C'est important pour vos enfants. C'est le soutien. You understand? On l'a critiqué aujourd'hui, là, jusqu'à mon rapport. On fait une petite pause pour lui donner un peu un coup de main. Voilà. Moi, j'ai une photo, par contre. Voilà, j'ai une photo. Vous voyez un peu la forme. Attends. Vous voyez? Quand elle vous dit c'est montage là, parce que même ici, mais elle n'a pas petit pied là, gros pied là. Oui, mais c'est suspendu. Hein? C'est suspendu au fait, le truc c'est apparemment, au fait le problème c'est en bas là qui est rasé, en bas d'écran là, excusez-moi le terme, en bas d'écran là qui est coupé, genre tu vois, et c'est pas sur l'usine, c'est arrangé comment? Ok, remets ta vidéo là, Bouillon, remets ta vidéo avant. Ok, voici la vidéo. Oh, attention, faut pas que TikTok te bloque. Hein. D'accord. Brio, oui, attendez, je parce que mon téléphone est ici sorti en même temps. Ils sont des mal, t'es bien, ma jacobette. Non, regarde, vraiment. Ils sont des bien, ma tonnée. Le pauvre nez des robots. Interview, tu as levé le sort, tu n'as pas droit.
Tu la connais. Ok. Vas-y, m'aide. Un très gros gros pied. Où est-ce qu'il y a X dedans? La femme est trop bien. Mais Bru, quand toi-même tu vois ça là, tu vois pas. Moi, je suis une Emma Love. Mais l'image que tu es en train de montrer, elle date de quelle année? Question. Quelle année comment? Non, il faudrait. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il faut montrer l'image actuelle. C'est-à-dire que les vidéos actuelles de Emma Loewes, tout et tout. S'il vous plaît, mettez-moi en grand nom. Voilà une dernière vidéo qu'elle vient de faire. Mettez-moi en grand. Écoutez, regardez bien. Vous vous moquez de Néla. Néla, c'est riche, hein. Minimiser. Moi, c'est la même mon bien fatigué. Bon, là, ça c'est récent au moins. Ça c'est récent. Regardez. Elle va reculer maintenant, vous allez voir. Vous-même, vous regardez. Ah, dama. Hein? Faut regarder. Bro, tu vas venir encore discuter avec l'homme. Hein? C'est à partir de cuisses là qu'il faut voir. À partir de cuisses là. Elle-même va faire face tout de suite là. Elle fait face. Ok, robot, tu ne peux pas nous décourager. Il faut laisser. Maintenant, ça. Elle va reculer maintenant. Regardez. Cuisse. Hein? Oh, tu ne peux pas nous décourager. Il faut laisser ce que tu as te dit là. Voilà. Donc, attends, richesse. Moi, j'ai un problème avec vous, les Emma Love, en fait. Tu vois. Moi, j'ai ils veulent pas assumer. Moi, j'ai un problème avec vous, les Emma Love. C'est-à-dire, ayez l'honnêteté, hein, la loyauté, quand même, de dire quand quelque chose n'est pas bien, pour critiquer, pour que ça soit bien. Mais la laisser dans le déni, comme ça, c'est pas bien. Et tu veux qu'on dise quoi? Non, non, je t'explique. Pour nous, qui n'a qu'à montrer son village avec la belle jamais. Attends, Emma Love, c'est ma personne. Non, attends, mais ce que vous faites, c'est du suivisme, voilà. Tony, tu vois? Pourquoi? Parce que, attends, okay, je t'explique. Ok, j'accepte, mais je peux non, pas. Non, attends, faut pas mettre tes organes. Mais Kim, elle a déjà répondu à ta question. Elle dit, qui va montrer son village avec sa main gauche? Oh, ça, c'est pas normal, moi, je suis désolée. No matter what, like, you have to say the truth. It's the no matter how. En mode vidéo, vous dites que ça date de 1800. Il faut laisser ton anglais tenter de parler là-bas, chérie. En mode vidéo, vous dites que la vidéo, c'est de 1800. Vous parlez de quoi? De quoi parle Tess? Emma Loewes, photo que vous avez montré, c'est pas elle. Vous avez truqué ça. Jusqu'à okay. Demain. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, vous avez mal travaillé la photo. Hein. Quand vous voulez travailler, travaillez dans la. La belle Emma. Moi, j'ai pas de problème avec Emma. On a mis un béret, tout le monde cause. Moi, je mets pas les organes. Je m'amuse. On passe à autre chose. Mais vous mettez trop les organes, c'est pas bien. Non, moi, je mets pas les organes. On n'a pas mis les organes. Non, 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 je parle dans les commentaires. Regardez. Ah, ok, ok. Oui, oui, dans les commentaires. Regardez. Non, il ne faut pas suivre commentaire là. Moi, même à Biama Nila. Nila est riche, hein. Attendez, vous mettez quelque chose. Non, faut laisser ce qu'on dit, on fait pas ce qu'on faut laisser ça, laisse ça. Tu vois, venir profiter. Laisse ça. Robert, descends, tu remontes. Ils t'ont signalé là. Ah, tu as vu tellement, tu es dans les faux moments, ils t'ont signalé. Non, refais ta demande, il va falloir que refais sa demande pour remonter. Je dis, mettez une photo récente. C'est que vous êtes en train de mettre là, c'est de la tricherie en fait. La poutine. Vous mettez une photo récente. Pourquoi vous mettez une photo qui n'est pas récente? Robot, attends un peu, tu montes. Attends 5 minutes comme ça. Attends. 5 ou bien 4 minutes. Pourquoi ils vont te bannir? Attends. Faut attendre. Si tu veux là, tu te déconnectes de ton Snap, de ton TikTok. Déconnecte-toi ou bien désinstalle, tu réinstalles. Pour ne pas qu'on te bloque. Et tu attends quelques minutes et puis tu remontes. De toute façon, je dois en signaler là. Poutine, c'est fini, il y a vie partout. Il y a vie pour aujourd'hui même, pour matin là. Même en grand. Même en grand. Ça, il sait pas, il veut quoi encore maintenant.
Voilà, bien mes vies, elle est très bon, moi. Oui, il faut montrer où elle est en jeep là. Faut montrer où elle est en jeep là. Ils l'ont signalé. Hey. Il est tombé, ils l'ont signalé. Laisse mon téléphone. Ah bah bah bah. Hey, Kilou, Kiki. Ça va? Tu peux pas laisser maman un peu se reposer? Viens en causant, on fait les bérets. Ouais, les gars d'Emma là ont conspiré sur mon compte qu'on a dans mon... Il n'y a pas le plus dedans. Mais tu peux pas, la poutine étant de les deux, tu sais, donc elle a acheté dans la boutique d'Emma, il se plaint. On parle, il se plaint. Il sent de bien mal les gens dans les commentaires. Il vous demande pardon, il ne parle plus de son affaire. Tiens, on peut signaler le compte de quelqu'un comme ça. Vous n'avez pas le cardio. Quand nous, on commence, et puis vous signalez. Et c'est bien, moi, non, je vais on s'est fait rire. Il dit, c'est moi qui ai envoyé les vidéos là. On n'a pas le cardio comme on a le cardio. Seulement que tu nous convaincre que la go, c'est pas elle. Mais c'est arrivé d'un. Attends, Richard. C'est arrivé d'un signalé. C'est vrai, on réchérit normalement. Et puis on descend, ça fait pas de situation. À cause de vous, même la MF, je suis celui-ci de nez aussi. Quand on modifie ses fesses et puis on nous fait croire que c'est son fond qui est là. Écoutez quelqu'un en bas. Que toi, avec toi, King, avec tes mèches Godio là. C'est pas grave. Je prends. Vous êtes sûr que c'est... Bon, moi, franchement, je dis à modification. Hein, donc... Juste quand on me dit va dans ton pays. Moi, je n'y vois rien. Laissez-moi tranquille. Dans tout Abidjan, moi, je connais... Commencer de Mans jusqu'à Abidjan, là, je connais, jusqu'à monter à Biankou, mais je ne sais pas. Pas venir m'embrouiller. Le béret. Tu es un touriste, tu n'es pas. Voilà. Le béret, là, ça se cherche partout. De la manière. Je suis le seul Guinéen quand il y a béret en sous-sous, là, chez nous, et puis vous n'entendez pas. Et puis moi, il fait. Faut pas faire ça si, Emma. Et puis moi, il parle le béret. Voilà. Le béret en français. Le seul Guinéen qui fait le béret guinéen en français, là. Et puis vous venez vous écouter, vous êtes content. Comme pour Go qui a Biama, le voisin de son mari, là. Les hommes venaient pour écouter. Ils disent quoi? C'est le seul. Congolais ne fait pas ça. Non, je ne suis pas en train de coller Emma. Je suis juste en train de montrer les images. Et puis connaissez. Il faut laisser mon nez là. À cause de vous, aller faire chirurgie de nez. Il a appelé Emma, elle va me montrer son couloir. Go là, c'est sa forme. Aujourd'hui, je suis pas d'accord avec Aya. Aya et moi, on a lancé courir des 16 cas demain matin, mais c'est que ça va pas. Ça va pas prendre. Vous voyez, à un moment donné, c'est comme ça que vous faites, et puis après, ça devient des trucs au fait. On a mis un béret, vous venez avec vos arguments, vous montez. Vous causez normalement et puis vous descendez. Nous, on amène nos arguments, vous amenez vos arguments. Mais ça sert à quoi de rentrer dans affaire de pays, affaire d'insulter, de dénigrer? Ça sert jusqu'à, à quoi, jusqu'à signaler mon compte. Ça sert à quoi? Vous n'êtes pas fair play. On a mis un sujet qui est là, vous montez, vous dites, ah, pourquoi, parce que c'est ça. Dans la paix du Seigneur, on descend, on se charge. Mais va dans ton pays, tu es comme ci, tu es comme cela, quand même. Franchement. Moi, hein? Je suis habitué à ça. Hein. Je suis habitué. Ici, là, nous sommes tous... Regardez d'abord, si vous partez sur ma page, vous allez voir que tout ce que j'ai publié là, ça concerne l'Afrique. Comment les informations sur la Côte d'Ivoire... Tu sais qu'il y a des choses... Même il y a des choses que moi-même, je suis au courant qu'il y a des Ivoiriens même qui sont Ivoiriens même. Là, ils ne sont pas au courant de ça. Tu vois? Donc, moi, je ne calcule pas cette histoire des pays ou quoi. Merci, robot. Si je prends mon billet, là... Reste dans le contexte. Si je prends mon billet, je m'en vais à Abidjan, au Banco. Tu connais Banco, aux deux plateaux. Manger viande de porc tranquillement, à côté de au bord de la lagune tranquillement. Je suis là, je prends mes infos et puis je rentre chez moi tranquillement. Donc là, je suis habitué.
clash là, c'est que pour arriver d'abord au milieu des Ivoiriens, il faut t'habituer, il faut avoir le cardio. Si tu n'as pas cardio, tu ne peux pas t'installer là-bas. Voilà, pour commencer d'abord, moi-même là, Moussou qui est là, doté en décembre, là, elle vient de Saïwa. Donc, tu veux, tu ne veux pas, tu auras un petit métis guinéen qui va venir dans les jours, des mois à venir, ça c'est forcé. Donc, ça ne sert à rien. Vos balles là, ça tape et puis ça tombe. Il y a un influenceur chez nous, il y a Big Soul qui est là-bas. Mais ce n'est pas le même domaine là. Big Soul, lui, n'est pas dans le Bérin. Il joue le rôle de l'information, un peu voyager, montrer un peu son quotidien et tout. Robo, oui. Tu m'entends? Robo, ouais. Tu m'entends? Richesse des réseaux. Oui, ok. J'ai dit, qui, dans tout ça là, tu sais qui est mauvais, mais c'est bien quoi, Zouzor, bien quoi. C'est lui-même qui est le mauvais dans cette histoire-là. Mais lui, il a dit tout comme ça. C'est lui-même qui a dit, c'est-à-dire que ce qu'il a fait là-même, là, c'est pas bon. Voilà. Il a dit tout comme ça, fait. Faut pas rire. Je suis même pas allé à ça même. Ça me pleut pas aujourd'hui, ça me pleut pas demain. Mais tout se pose comme ça, donc ça m'étonne pas, en fait. Quand même, pour profiter aussi, toutes les femmes ou des hommes qui ont des entreprises, des sociétés, des magasins, des ventes ou quoi que ce soit, contactez-moi, je vous fais vos promos gratuitement. Je dis bien gratuitement, sur ma page. Et je ça dépend du pays où tu es? N'importe quel pays. Ok. Voilà, c'est donc, gratuit. Donc, tu m'abonnes à toi. Voilà. Okay. Au moins, on va parler de... On parle de nos histoires, mais on parle aussi des choses qui sont importantes. Donc, si tu as des choses, comment on appelle ça? Ouais, avec tes 62 cas là. 62 cas, tu minimises. Je vois que l'histoire est devenue autre chose. Donc, on va changer de sujet parce qu'en fait... La poutine, merci beaucoup. C'est ça, les gens commencent à... Ils mettent les organes, c'est ce que je disais à Richesse, elle n'a pas voulu me comprendre. Ils n'ont pas le cardio. Non, pas. Hey, tu sais que moi, je porte tout en fair play, mais en défendant ma star, mais c'est eux qui sont dans les commentaires. Voilà, j'ai pas dit toi, en fait, quoi. Voilà. Il y a dit toi, au moins, si tu comprends, tu es venu discuter, tu as apporté tes arguments, on discute. Mais eux, là-bas, c'est pas ça, en fait. Non, mais ne vous inquiétez pas, laissez tomber. J'ai signalé mon frère sans brio. Mais pas vous avoir mal à la tête pour rien. Parce que là, vous avez vu, dès que j'ai mis le commerce de Emma, là, ils sont descendus. Brio, là, va, tu es monté, on t'a signalé encore. Faut attendre un peu. Attends un peu, sinon ils vont bloquer ton compte. D'abord, attends. C'est votre caviar là même qui prend deux jours là pour faire interview à elle. Faut voir ton programme, non? La caviar. Que ça, moi? Ouais, c'est moi qui t'invite dans un restaurant chic au 17e arrondissement. On va faire l'interview là-bas tranquillement. Tu vas bien manger sans problème. Ça appartient à quoi, tu as mon chico? Moi, c'est une first class. Ah, first class, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, tout compte fait, je sais que tu es une brave femme. Passer une interview avec toi. Parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui te suivent. Elles veulent voir ton parcours, comment tu as fait jusqu'à pour arriver là. Et quels sont tes projets dans l'avenir et tout. Donc, c'est important. Exactement, il fait tellement froid. Non, mais 17e, c'est pas loin de chez toi, je pense. Oui, mais c'est pas ça, c'est le froid qu'il y a là. C'est mieux d'entendre repos. C'est mieux, moi, je pense que ça sera très bien en été. Là, elle peut mettre ses petites robes, sortir avec le bébé et tout aussi, ça. Hein. Et puis demain, il neige encore. Mais on est dans la même région là. Hein. Il neige depuis hier nuit. Oui, donc c'est mieux en été. Là, il sera bien un truc, quoi. Je ne sais pas. Brio, il se bat, c'est pas facile. Je suis allé chercher mes colis aujourd'hui, là. Franchement, là, le froid qui était dehors, là, c'est pas du jeu. Attends, c'est moi qui parlais chercher la vidéo là pour Brio. Ah, et toi, tu es resté sur lui, là, il est en bas. Aïe, mais c'est en mission. Aïe. M'envoie message à WhatsApp. Mais la petite fois. Moi-même, elle m'a bloqué là-bas. Elle m'a bloqué sur son Snap, non. Qui, moi? Faut passer ton permis, non, c'est mieux. Non, Emma, parce qu'il y a téléchargé ces trucs-là. Ils l'ont signalé en même temps. Tu sais ce que j'ai fait, Brio, ce que j'ai fait tout à l'heure. Là. Moi, je me suis déconnecté même. Après, je me suis reconnecté et puis oui, ça a pris. C'est ce que tu as dit de faire là, non? Quand oui. C'est comme ça, ils ne vont pas te... Mais sinon...
Si c'est pas ça, là, ils te bloquent. Va te déconnecter même carrément, après tu reviens. Oui, c'est ce que je vais faire. Tu te déconnectes bien, mais puis tu reviens comme si tu viens de télécharger l'application. Puis même tu re-télécharges l'application. Il a mis dans le commentaire qu'il est aimant. Ils n'ont qu'à laisser monter. Oh Dieu. Il est aimant. Mais élément. Oh, mais Bouillot, c'est un phénomène. Faut te calmer. Tu as remonté. Mais Boutine, on a changé de sujet. Les émalables ont sorti les crocs comme ça. On doit les voir. Ils sont acharnés, mon frère. Ça, hein. Est-ce que c'est toi? C'est pas fait pour moi. Quel est ton perruque Godio là? Hein? Oui. Calme, ça ne faut pas nous dire qu'on a des crocs. Pardon. Mais attends, moi, ils m'ont bien mal dans le commentaire. Toi, tu ne m'as pas défendu. Fallait me défendre. Ah, plus jamais d'aller parler mal de mon bébé d'amour. Okay. Hmm. On dit je suis mince avec les joues. Je suis mince et puis je suis joufflue. Elle m'appelle Godio. Vous imaginez. Tu te nourris mal ou bien? Demande-moi, c'est beri-beri maintenant. Adama. Tiens. En tout cas. Bon, je vous donne un beré guinéen de jour là qui est en train de bérétiser fort. J'espère que c'est intéressant, hein. Vas-y. Non, moi, je te dis que j'envoie toujours les bons bérets. C'est pas les bérets où il y a bien. Au fait, de jour là, il y a une dame. Et c'est que les Guinéens vont me bien, moi, ça, c'est pas un problème, moi. Je donne les infos. Et on sait que nous, nos sœurs, là, la plupart, je dis bien la plupart, aujourd'hui, là, en Europe, ici, là, elles sont dans les coquilles, elles se transforment. Il y a une dame que son moro était en Grèce, c'est-à-dire il a pris son vol de la Guinée jusqu'en Turquie. Après, il a fait Grèce, arrivé en Grèce, mais il a sa femme au pays, ils ont 6 enfants. Il ramène la femme. Il attend d'abord que lui, il arrive ici en Bengue. Il ramène la femme et les 6 enfants par l'eau. Quand les Moros sont arrivés, il s'est rendu... Lui, il était à Nantes. C'est une ville de la France. C'est pas trop loin de Paris. C'est 2 heures. Donc, quand la dame arrive, lui, il n'a pas l'obèse. Donc, vu que les enfants sont arrivés, lui comptait sur l'histoire de... Ils sont déjà ensemble. Ils vont faire des masses là ensemble. Et pendant que madame est là, qui sont maintenant dans le même coin, dans la même maison, elle commence à fréquenter un soi-disant marabout qui va essayer de voir leur histoire, si le bœuf ce sera bon ou pas. Marabout même qui regarde leur histoire, si ça sera bon ou pas, là. C'est lui qui a commencé à valider Moussou là. Mais lui, c'est un bon menteur aussi parce qu'il a fait croire à la Moussou que lui, il a bœuf. Donc, elle, dans son côté, elle se disait que non, j'ai trouvé quelqu'un qui abaisse. Et en même temps, c'est un marabout, il voit l'avenir des gens. D'en voir l'avenir des gens, quand son moro s'engraisse dans son petit djabou-djabou pour aller chercher un petit giton pour ramener avec à la maison pour s'occuper des enfants, elle décide de tromper son mec jusqu'à ils ont fait les mariages dans le dos du gars, les mariages religieux dans le dos du gars. Et pourtant, elle-même, elle est dans un mariage d'abord qui est légal, c'est-à-dire mariage coutumier là. Elle n'est pas encore sortie dedans. Vu qu'elle est trop traumatisée par le nouveau mousseau qui est guérisseur, je vais dire comme ça, un marabout, elle a décidé de mettre tous ses enfants, ses 6 enfants, à leur père dehors pour les abandonner, pour aller se marier à un nouveau là, soi-disant que lui, il a le baisse. Le monsieur se retrouve avec les 6 enfants dehors, il était obligé de fuir la France pour aller en Allemagne, pour aller s'installer là-bas. Et aujourd'hui, l'un de ses enfants est gravement malade. C'est ce qui a fait sortir le beret dehors même. Sinon, le beret était entre eux là-bas. L'enfant est malade. Maintenant que le gars a fait cri du cœur pour expliquer maintenant la situation aux gens. La femme, elle est en train de lever à Nantes avec son chéri. C'est pas un grain. Moi, je vous explique. Pour ceux qui disent, c'est ça, en fait, le problème. Quand Guinéen parle en sous, vous ne comprenez pas. Moi, je traduis le beret en français pour que vous compreniez. Donc, partez sur les blogueurs guinéens, vous allez entendre, ils mettent photo. Donc, nous qui sommes en haut, on va comprendre. Voilà. Donc, actuellement, le béret est très tendu parce qu'elle n'a pas coupé son mariage, déjà, avec son moro qu'il a ramené ici, à elle, les enfants. Elle a trouvé son marabout, elle est partie se mettre là-bas pour faire un autre mariage. Non, normalement, dans la religion musulmane, on ne fait pas mariage religieux, là, sous un autre mariage religieux. Mais elle a fait ça entre elle et puis le gars.
et abandonné ses enfants. Ils sont aujourd'hui en Allemagne. Son fils est gravement malade. C'est du fait que son fils est gravement malade que le monsieur est sorti maintenant pour faire sortir le beret dehors, qu'elle vient maintenant pour se défendre en disant que l'amour là, que c'est pas forcé. Si j'ai trouvé quelqu'un qu'on s'aime et tout. Tu connais bien Mali de ça, non? Tout le monde a allumé maintenant le truc pour dire, bon voilà, comme tu veux maintenant faciliter la chose, on va faciliter la chose. C'est une chose que moi je peux dire à nos soeurs. Quand vous arrivez, je suis quelqu'un qui a galéré pour t'envoyer, si vous avez 6 enfants, tu laisses tes 6 enfants et ton mari. Bon, laisse ton mari, c'est pas un problème, mais tu abandonnes tes enfants au profit d'une personne que tu viens à peine de connaître, que tu penses que lui t'aime plus que l'ancien qui t'a donné 6 enfants. Même si peut-être on peut comprendre que le monsieur, il est mauvais, il t'est frappé, on peut comprendre tout ça, je ne veux plus de lui, on a compris. Mais qui peut m'expliquer du fait qu'elle a abandonné ses enfants-là au profit du monsieur? S'il y a quelqu'un qui va venir me dire le contraire, il n'a qu'à venir nous expliquer pourquoi. Parce que vous n'allez pas dire que... Les enfants sont tout petits ou grands. Il y a 3 qui sont grands et les autres là, c'est des petits petits. Le dernier, je pense, il a 2 ans et demi, un truc comme ça. Les 3 grands là, leur âge varie de combien à combien? C'est entre les 18. Bon, il n'y a pas majeur encore dedans. C'est dans les 17, 15 pour descendre, 15, 13, un truc comme ça, jusqu'à le dernier. Donc actuellement, tout le monde est en train de mettre pression sous elle pour qu'elle récupère les enfants. Et elle dit que c'est leur père. Lui aussi, il est responsable, c'est Europe. Elle est dans son nouveau truc. Elle ne veut pas être dérangée dans son nouveau truc. Maintenant, est-ce que c'est normal d'abandonner tes enfants? Attends, j'ai la photo ici. Moi, quand je fais mes trucs, je fais les recherches. Hein, je mets... Ok, robot. Maintenant, les enfants là. L'enfant qui est malade en quelle sorte, il a quelle maladie? Comment on appelle ça? T'as vu, il a mal au ventre, mais c'est un peu chronique, quoi. Parce que quand il mange, on dit que c'est quand il mange que lui, il a mal au ventre. Chaque fois quand il mange, là, il a un problème au niveau de la colopathie. Ça peut être un truc comme ça, oui. Mais c'est pas aussi grave. C'est pas aussi grave, donc... laissez la dame vivre sa vie. Laissez la dame vivre sa best life. Abandonner les 6 enfants. Elle va sortir de là hier. Quand ce sont les hommes qui font ça, là, quand ce sont les hommes qui abandonnent les femmes et les 6 enfants, là, pour elle, c'est pas grave. À sa place, t'allais faire la même chose, Richesse. Non, je te pose la question. Prends le sens inverse. Quand ce sont les hommes qui le font, là, c'est normal. Non, écoute-moi. La femme, hein, l'amour d'une mère pour ses enfants et puis un homme, c'est pas la même chose. Faut pas comparer ça. Tu dis quoi même? Je dis et je répète. Hein? Quand c'est dans l'autre sens là, là c'est normal ou pas? Ah donc maintenant là, c'est comme si, au fait, tout le monde est permis. Vous voyez, au fait, c'est comme si on ne donnait plus la... Attends, Richesse, moi je suis pas d'accord. Non, elle n'est pas d'accord. C'est pas logique au fait ce que tu dis. Si elle était seule, une femme. Attends, qui? Hé, robot, tu as envoyé un sujet, non? Tu es d'accord avec moi que on n'est pas tous, on peut pas être tous dans ton même sens. On est d'accord. Ouais, chacun donne son opinion. C'est comme tout. Voilà. Donc pourquoi je donne mon avis puis tu trouves que oui, ce qu'ils ont dit, ça n'a pas de sens. Donc moi je pose juste la question maintenant. C'est normal ce qu'elle a moi, fait. Moi je t'ai posé la question. Tu m'as pas répondu. Je dis que. Pour, si c'était dans le sens inverse, que c'était le monsieur, la dame envoyait le monsieur en Europe et qu'ils avaient tous ces 6 enfants, puis le monsieur arrivait en Europe, il a laissé, il partait vivre sa vie. Est-ce que c'était normal ou ce n'est pas normal? Mais d'abord, pour comprendre, là, si le monsieur ne voulait pas, elle son bien, là, il n'allait jamais la faire monter ici avec les enfants. Il s'est battu, il n'a pas baissé, il n'a pas rien. Il s'est battu, il les a fait venir ici. Ça veut dire que d'une part, que le monsieur l'aime et il aime ses enfants. Et même jusqu'à maintenant, dans les interventions du monsieur sous les palais guinéens, il évoque toujours que vous-même imaginez, femme, que j'ai fait 6 enfants avec elle. Drio, ça là, c'est un bon barré. Si tu veux, demain, tu prends toutes les preuves, non? Tu rassembles tout. Et puis demain, on lance live dessus parce que c'est un bon barré, ça. Moi, j'ai fait barré guinéen aussi. Il y a plusieurs fois parlé dans votre affaire. Demain, là, tu rassembles tout. Spécial. Non, j'ai si tu veux, mais il n'a qu'à venir, tu vas l'inviter. Quand ça a chauffé, il va monter tchao. Tu m'envoies la photo, tu m'envoies sa photo, tu m'envoies tout. Donc demain, il lance le live, il met et puis il met le sujet. Il y a On va parler de poutine. Parce que là, la poutine, là.
Parce que c'est ce que je veux te dire. Il faudrait qu'on va dans tous les sens et dans tous les angles du thème. Oui, c'est ça. Il faut que toutes les vidéos, voilà. Là, tu peux enregistrer les vidéos là. Et puis, il y a l'esprit qui joue. Tu vois, non, on sera plus créatifs. Un repas demain. C'est mieux. Parce que... Voilà, ok, c'est mieux. Voilà, demain, on va bien décortiquer. Demain, là. Il y a t'envoyé tous les détails. Ouais, mais demain, tu gardes, même si tu veux. On lance le live, c'est toi qui mets les trucs. Tu nous expliques en même temps. Ça sera un guignet. Nous, on va comprendre ça comment. Il n'y a pas de drame. Maintenant, je vais tout faire la nuit, là. Bon, jusqu'à demain. Tu me dis l'heure à laquelle. Jusqu'à demain pour avoir son numéro. Demain, vers 19h, comme ça qu'on lance le live. Voilà, moi, je vais tout faire pour avoir lui son numéro direct. Voilà, tu vois, quand c'est quoi, c'est bien. Voilà. Moi, j'aime travailler les. Voilà. Lui-même, il vient là, il explique bien, c'est bien. Le Bérec sera plus lourd. Le dossier du Bérec. Comme ça. Debordeaux est refusé au Mali. Debordeaux est refusé au Mali. À l'aéroport ou bien c'est comment? La preuve est refusée dans le pays, le Mali. Ah, là, on parle dans le pays, mais... Surtout l'étendue du territoire malien. C'est ce que je veux savoir. Pour quelle raison? Ils ont donné la cause à l'aéroport. Par rapport à ce qu'il a fait, c'est dit qu'il... comme ça, c'est diabaté, non? C'est pas pour qu'il a... C'est dit qu'il que les Maliens veulent créer, là, je sais pas, hein, mais on va écouter celui-là. C'est un blogueur que j'aime bien. C'est-à-dire, non seulement Debordeaux ne va pas s'épargner, Debordeaux ne sera pas épargné. La personne qui l'a invité, lui non plus, ne sera pas épargné. Son papa ne sera pas épargné. Sa maman ne sera pas épargné. Là, voir lui, Debordeaux, dira Mali, qu'on n'a pas de tout, il y a que tout. Là, il y a un maracadé, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Là, il y a un maracadé. Attends, il va mettre sa photo, lui, quand il est parlé là. Et puis après, il va mettre cette photo-là. C'est fort, ça. Moi, je l'ai écouté, mais la poutine. Moi, là, même là, il a la rage aussi, hein, le bloqué, là. Mince comme ça, mais il a la bouche. Même là, il n'y a rien. On y va. On va l'écouter. C'est lui, là, même, c'est ça. On va l'écouter, c'est lui. Moi, j'ai fait d'abord, il ne sera pas épargné. Mais si la personne ose, n'a pas voir, c'est-à-dire non seulement Debordeaux ne va pas s'épargner, Debordeaux ne sera pas épargné. La personne qui l'a invité, lui non plus, ne sera pas épargné. Son papa ne sera pas épargné. Sa maman ne sera pas épargné. Là, voir lui, Debordeaux, dira Mali, qu'on n'a pas de tout, il y a que tout. Là, il y a un maracadé, il y a un peu de temps. C'est-à-dire, c'est pas une menace. Moi, j'ai fait des affirmations. Je le fais à visage découvert. Là, derrière, c'est qu'il y a un gardien aucun. Moi, je dis haut et fort, Naya ici, Naya osé, il va le regretter toute sa vie. C'est moi qui le dis. Vous êtes là, hein, il va venir. Madame, vous êtes qui? Il y a quoi pour mon mari? Ah, nanana. Il n'est pas venu, tu sais, je l'ai invité. Vous êtes là, parler, vous parlez beaucoup. Trop parler, ça donne d'agbé. Si quelqu'un est trop fâché, si quelqu'un est trop garçon, il n'a qu'à prendre billet d'avion, pour lui et pour Debordeaux, ils vont descendre, ils vont atterrir au Mali ce soir même. C'est là qu'on va, les Maliens vont dire, ouais, quoi qu'il en soit, les Ivoiriens sont les vrais hommes. Mais nous sommes habitués à votre lâcheté. Là, avec une lâcheté, nous sommes habitués déjà à ça. Quand un pas de mouvement, vous venez crier partout, faux commentaires, injures, patati patata, le tapage. Ici là, vous croyez que nous sommes déjà devant grand mosquée d'Adjamé. Jean, on va s'arrêter, on fait faux discours, faux les jambes, faux pas. Après, voilà, négociation, ça qui rentre chez lui. C'est pas comme ça. La vie, ça se passe pas comme ça. Avec le Malien, c'est pas comme ça se passe. Chez nous, ça s'appelle la réciprocité. Tu fais un, on te fait 10. Quand tu joues avec nous, il faut marquer un but, nous, on va te marquer 10 buts. Debordeaux, le jour, il a insulté le Malien. Mais si la personne ose, n'a pas pour. Ça veut dire non seulement Debordeaux va pas s'y parler. Je sais d'autres vidéos. C'est la gata, n'a qu'à garder. J'ai dit internet là a fait que tout le monde a un téléphone, chacun peut s'asseoir maintenant pour parler. TikTok aussi, des. TikTok aussi, hein. Parce que. Un chien pour les Maliens. D'accord. Yo, j'étais pigé. D'accord. Est-ce que tu as déjà été confronté à des situations où. Comment ça s'appelle, un Chico, non? C'est Chico. C'est lui.
le jour, il a insulté de manière. Il ne savait pas que ce jour allait arriver un jour. Nous ne sommes pas devant la grande mosquée d'Ajami. Ici, ce n'est pas la gare d'Abogo. Mali, là, ce n'est pas la gare d'Abogo. J'ai ramené, nous parlons, nous avons parlé, après, chacun rentre chez lui. Quoi, chez vous, quand on parle, c'est un compliment. Ce n'est pas un compliment. Chez nous, ça s'appelle la malédiction. Si tu vas que nous sommes assis à l'extérieur, on ne peut pas rentrer chez nous. C'est parce qu'on a insulté le peuple malien. On a demandé pardon, ils ont dit, ils ont pardonné. Mais on sait que si on rentre là, ils vont se venger. C'est pour ça qu'on est là. Et ne voulons pas se permettre de insulter tout un pays, après venir s'asseoir sur ces petites fesses-là pour demander pardon. Et nous, on va laisser ça passer. Ça se passe tout comme ça. Je ne prends pas autre fois, mais cette fois-ci, ils ne vont pas oublier. Devant le jour, il a insulté le Malien. Mais attends. Qu'est-ce que Patrick Akawa t'a dit de Bordeaux, ma Côte d'Ivoire? Patrick Akawa t'a dit de Bordeaux, ma Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Mais Mali te battu l'état, Mali te battu l'état, ou battu l'état, ou battu l'état, ou battu l'état. Comment te battu l'état, ou 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 battu l'état. Après vous allez traduire. Nous Nous avons déjà un groupe WhatsApp. On a un groupe Telegram. Antena, on peut déballer. Alaka, il y a un bon moment. Alaka, bon moyen. Aïe, la publicité. C'est bon. Il y a un peu de temps. Baba Ali, Nangara Bayaka, Otene Rekinede, Neka objectif Niam and Tekoronima, Nima Sagan and Dabu. Nan Manana Kajan. Ok, bon, vous avez écouté un peu, hein, je vais remettre la photo. Je vais d'abord parler un peu, je vais me muter, puis je vais vous laisser. Vas-y. Je vois des Maliens. Pourquoi je vais te prendre la photo? Des Maliens qui disent que. Des Bordeaux. La famille, on continue à tapoter et partager, s'il vous plaît. Faites la vidéo que des Bordeaux a faite, parce que moi, je n'ai pas trop suivi l'actualité. Il disait quoi dans la vidéo, en fait? Non, il était en clash avec Sidiki Diabaté. Oui, il a dit que affaire de Cora, là, un truc comme ça. Pourquoi Sidiki va venir prester un truc de ce genre-là, non? Voilà, un truc comme ça, ouais. Le clash, ça fait quelques mois, hein, Ça fait pas des mois, ça fait des années, ça. Ça fait des années plutôt, ouais, je m'excuse. Mais c'est arrivé là-bas? Ah, mais ça, c'est depuis longtemps, tu vois. Pourquoi faut qu'on y okay. Des Maliens qui font des vidéos pour dire que des Bordeaux ne doivent pas arriver au Mali. Chico! Il est 3h du matin, il pense que demain dans la journée, là, on va s'expliquer, toi et moi. Là, je vais laisser les gens renchérir. Tes vidéos, je les ai vues. Demain, là, toi et moi, on va s'expliquer. Parce que, aujourd'hui, là, c'est dit qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire comme ils veulent. Vos artistes maliens, là, ils arrivent en Côte d'Ivoire. Façon, vous, les blogueurs, là, hein, vous avez insulté ici nos personnalités, là. Et puis, on n'a jamais mis ça dans nos cœurs, là. C'est comme ça, tu vas foutre la paix à des Bordeaux. Parce que ce qui s'est passé là, c'est déjà passé. C'était clash entre De Bordeaux et puis Sidiki. Si Sidiki rentre à Abidjan comme il veut, De Bordeaux va rentrer au Mali comme il veut. Sinon, Sidiki va rester dans son Mali, De Bordeaux va rester dans son Côte d'Ivoire. Parce que demain là, on va bien renchérir sur l'affaire. Pour l'instant,
je laisse l'opinion, c'est-à-dire que tu sois malien ou tu sois ivoirien, peu importe ta nationalité, donner ton avis. Voilà. Je reviens, je fais coucher lui là, il est déjà 3h du matin. Il a dormi jusqu'à minuit, maintenant il peut plus dormir. Donc il faut que je parte me coucher à côté de lui pour le faire dormir. Donc, et puis King, je vous confie le live à tout à l'heure. Okay, maintenant, Ibrahim, si Ibrahim entend de dormir, que les gens veulent monter là. Je ne sais pas, hein. Ceux qui sont en train de dormir là, vous les faites descendre. Ok, ok, ma poutine. Ok, on y va. Tu peux continuer. Tu peux. Oh, vas-y, c'est toi qui avais la parole. Ok. Bon, au fait, comme moi je le dis toujours, si vous prenez les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux sont un moyen de communication où tu peux prendre pour passer des bonnes informations. Et c'est un truc aussi qui est très dangereux quand tu passes des fausses informations. Parce qu'aujourd'hui, à partir de... Si une personne est suivie, disons, à partir de 10 000, 20 000 personnes, il faut comprendre et il faut savoir passer les messages positivement. Aujourd'hui, là, nous parlons de la mondialisation. L'histoire qui lie entre Mali et puis Côte d'Ivoire, là, ça date pas d'aujourd'hui. Lui, je suis quand même, il est né, il est venu voir ça. Il peut pas venir essayer de remonter les gens contre... Tout dernièrement, quand Babacar, comment on appelle ça, les gens ont commencé à lancer des pics contre le Mali. Tous les blogueurs ivoiriens sont sortis. Ils ont essayé de défendre. C'était robot du Paris. Il a placé des pics au feu père de Sidi Diabaté. Tous les blogueurs ivoiriens sont sortis pour venir défendre au fait les Maliens. Mais ça ne veut pas dire que il y a un truc qui s'est passé depuis quelques années et puis que jusqu'à De Bordeaux même s'est excusé et tout. De Bordeaux peut aller au Mali sans problème. Lui, Chico, lui, il est qui pour venir interdire De Bordeaux de se rendre au Mali? C'est comme Sidi Diabaté qui se rend en Côte d'Ivoire sans problème. Qui le demande ou quoi que ce soit? Depuis, il y a eu clash et problème là. C'est des trucs qui existent entre les artistes. Ça existe. Maintenant, le buzz entre les artistes, soit tu viens maintenant, tu t'inclus dedans pour attirer la haine, pour essayer de motiver certaines personnes qui ont une moralité très faible. Enfin, d'interdire De Bordeaux de venir chez vous. Mon frère, ça c'est un combat, ce n'est même pas noble. En fait, ça n'a pas de sens ou je sais pas quoi que ce soit. Monsieur, moi je te coupe pas la parole, mais c'est la partie où il a osé préférer les menaces de Djali. Quand j'ai dit Djali, tu comprends, à cause de TikTok. Oui, c'est la partie qui me fait quelque chose, au fait, parce qu'on va pas arriver jusqu'à là. C'est dit qu'il même, c'est comme s'il habitait la Côte d'Ivoire déjà, parce qu'il est tout le temps là. J'ai dit King. Si De Bordeaux ne rentre pas au Mali, c'est dit qu'il ne rentre pas au Mali. En Côte d'Ivoire. C'est tout. Il n'y a pas de débat à faire. On va faire quel débat? Sinon, quelqu'un, il a fait cette sortie là. On a vu, c'est quand De Bordeaux a prêté ses excuses. Quand ce blogueur a fait ce truc-là, c'est dit qu'il même pouvait faire son poste pour dire que non, lui, il ne rentre pas dedans. Donc, s'il a accepté là, si De Bordeaux ne rentre pas au Mali, c'est dit qu'il ne rentre pas ici. Et puis, ça va aller encore pire. Mariam Bao, ben son quoi, Bao, tous ceux ne vont plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ici, c'est les chances. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de débat à faire. On lance pour nous. C'est en ce moment tu vas comprendre que tes artistes là aussi là, ils sont, quand je regarde même en fait, j'essaie d'analyser, oui attends un peu, je viens, si je regarde au fait, la plupart, il n'y a pas un artiste aujourd'hui en Afrique de l'Ouest qui va tourner jusqu'à, il ne met pas pied à Abidjan. Je ne le dis pas parce que je suis guinéen, non, je dis ça c'est la réalité, même nos artistes guinéens, les Azaïs et tout, quand ils tournent jusqu'à, ils font un tour là-bas. Pour aller au moins se reposer, profiter un peu de la vie d'Abidjan. Si toi, tu lances ce défi-là, c'est vos artistes qui vont perdre. Hein. Parce que quand l'Ivoirien décide de soutenir celui-là, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, après, attends, je viens à Richesse. Après sa prison, là, quand il est venu en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens l'ont pris comme un roi. Ils l'ont soutenu. Tout ça à cause de qui? À cause d'Arafat, parce qu'il marchait à Arafat et tout. Parce que l'Ivoirien, même là, il a un cœur blanc. C'est comme ça, ça marche. Si toi, un petit criquet, tu es quitté quelque part là-bas, tu as eu chance que tu as téléphone. Aujourd'hui, Dieu t'a donné peut-être la chance que tu es devenu peut-être un petit blogueur, tout le monde te suit. C'est toi, tu es devenu maintenant, gna gna gna, que quand De Bordeaux va venir. Toi-même là, quand tu prends tes deux petits pieds minces là, tu te déposes sous caméra là, devant caméra pour dire que De Bordeaux va jamais rentrer si Batou l'a envoyé là-bas. Sinon, ça sera menace de mort là. Qu'est-ce que tu peux créer? Dis-moi exactement, tu peux créer quoi? Qu'est-ce que tu peux créer sincèrement? Ça va chauffer pour les artistes maliens, ça va pas chauffer pour les artistes ivoiriens. C'est quel artiste ivoirien aujourd'hui qui va prendre son vol pour dire que je vais me reposer dans un chalet de Bamako là? C'est quel artiste ivoirien aujourd'hui qui va prendre son téléphone, ses vacances pour dire qu'il va aller se reposer au Mali? Oui, à chalet, tout et tout. Les ivoiriens là, en fait, les artistes maliens, ils font tous les trucs là. Les destinations, c'est Abidjan. Ça va chauffer pour eux, ça va pas chauffer pour nous, hein, pour les ivoiriens. Hein. Moi, je laisse les autres aussi intervenir. Là, ça n'a rien à voir, voilà. Moi, ici, dans la réciprocité, hein, voilà, moi, je ne suis pas le truc, je ne suis pas du genre à cacher mes trucs pour dire non, il y a camouflé, il y a manié, mais ma parole, il y a fait quoi, je ne suis pas titan.
C'est-à-dire œil pour œil, temps pour temps. Le cas, il s'est élevé à cause de sa cote de popularité aujourd'hui. Là, nous tous, on a vu que de Bordeaux, ça s'agit. On a vu que de Bordeaux, même à certains, même de certains artistes, il faut lui lancer des pics à la télévision partout, mais il répond pas. Si aujourd'hui, il s'est élevé, il a demandé pardon au Mali, là. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit se désarmer le cœur et puis laisser passer le truc ou bien. Sinon, que matin, midi, soit, quand on dit matin, midi, soit, même souvent, même dans nos awards ici, là, on va se dire qui? Le ministre sur podium, il est en train de se promener, causer avec lui, comme si ce sont ses camarades. Pendant qu'il a fait les histoires avec les podiums, même si même à la première si dame, il vient dans les écrans, sur le podium, même en train de naguer, même des podiums, souvent dans les vidéos, on a vu. Parce que nous, là, on est fair play. Mais arrivé un moment aussi, la fête est fair play, on met ça de côté. Si eux disent que des podiums, faut pas y revenir chez eux. Sinon, ils vont lui lapider. Nous, on veut pas voir pied de quelqu'un, si que ce soit Iba Wan, mais la vieille chanteuse, là, comment ça s'appelle la même? Il a oublié la criotte, là. Tout cela n'a pas besoin d'eux ici. Qui reste chez eux, chacun va rester chez lui, et puis on va voir. La plus grosse télévision en Afrique ici, là. Il parle même pas de l'Afrique et de l'Ouest. La plus grosse télévision en Afrique complète, là, c'est où? C'est la Côte d'Ivoire. La plus grosse télé, c'est la Côte d'Ivoire. La tournante de la musique africaine, là, c'est chez nous. Donc, sinon, on a fermé sur eux, là. Visibilité à la qui était où? Mais justement, c'est nous qui donnons la force au fait, quoi. C'est pas pour se donner, c'est pas de la prétention, mais c'est vrai. La connerie, hein. C'est nous qui donnons la force ici aux artistes. Lui, là, quand l'autre a son conseil aujourd'hui, là, il va venir en Côte d'Ivoire. Je dis, c'est vous qui parlez beaucoup. C'est la connerie. C'est vous qui parlez beaucoup. Moi, je reste sur ma position. Je dis, demain, il a lancé son mot d'ordre, là. Sidiki Diabato, son Oumu Sangaro, son Mariam Bao, son Iba Wano, son Rapeo, son Jongleo, son Kokoko, et tous, ils n'ont qu'à se chausser. C'est tout. Ah, mais ils savent ça. Ils savent que cette fois-ci, là, on est arrivé à l'Asie. Ils sont très, très solidaires. Puis on est très nerveux. Donc, là, si ces jeux, les bêtes, que c'est dit qu'il n'est pas sorti pour faire un poste, même tel artiste n'est pas sorti pour faire un poste. Non, les gars, arrêtez. Non, c'est Nani, c'est notre truc. Mais ils n'ont rien dit. Et puis, ils veulent prendre les petits pieds à venir au pays, là. Ça va chauffer. Donc, quand je vais vous dire quelque chose. On va passer la parole à Queen CC. Allez-y. OK. Non, vas-y, robot. Finis ça, puis on passe la parole. Voilà. Moi, je vous dis, regardez même dans l'équipe nationale du Mali, là. Quand les gars ont fini CAN là, puis en même temps, ils sont restés à Abidjan là-bas, passer les vacances là-bas, jusqu'à après, ils ont peut-être s'ils sont retenus au Mali, ils ont fait 2 jours après, ils sont rentrés dans leur club. Mon frère, ça là, ça attire pas ni chaud, ni froid. C'est comme si au fait, tu es en train de te battre à un adversaire, toi-même, tu sais que tu es à longueur de distance entre vous. Ça là, ça sert à rien. Si c'est un pays qui est vraiment comme Dubaï, on peut essayer de comprendre. Voilà, nous là, comme nos artistes là en Guinée, là, on sait que notre pays, on est en train de se battre, on lutte à l'aile. Eux-mêmes là, c'est l'aide des étrangers, c'est pas à Dubaï, c'est à Abidjan. Nous-mêmes, on les clash pour ça, pour dire, ah, vous là, tout le temps, vous êtes à Abidjan. Mon frère, c'est là, c'est-à-dire, tu vas enlever un burger dans ta bouche pour venir mettre des guets pour ne rien. Tu vas changer de goût pour ne rien du tout, parce que ça ne va pas attirer rien. Les joueurs ivoiriens préfèrent aller à Abidjan, profiter tout à Abidjan là-bas, ou aller à Dubaï, dans les îles des Caraïbes, que d'aller au Mali, à Bamako là-bas. Il y a quel truc bien là-bas. Oh, faut pas vraiment trop prolonger ça là-même. C'est des concurrences même, ça n'a même pas de sens. Faut pas vraiment trop te fatiguer pour ça. Queen, on t'écoute, non? Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Ah, moi, j'étais disant que les histoires de lui, en fait, comme ils ont fait à, comment elle s'appelle là, à la fille de Makoso, elle n'est pas partie au Burkina, elle est venue au Mali. Donc, ils se disent que si ça fait un Mali seulement, parce que cette histoire, ils ont fait sur la CAN, à vouloir prendre notre drapeau, faire des bêtises, tout et tout, on n'a rien dit là. S'ils veulent aller sur cette base là, ça va les laisser. Ça va les laisser grave. C'est elle qui vient dans tout ça pour aller chercher l'argent. Si ils veulent faire ça là. One second, donne-moi une minute. Ibrahim, tu es là? Je viens de faire descendre prendre une nouvelle personne quoi. Ibra. Mamoun, tu es là? Ok. La fille de qui la même? La fille de quoi? La fille de Maman Mystique, tu es là? Ok. Désolé, hein, je vous ai fait descendre parce que je vais prendre des personnes en bas. Richesse, vas-y. Hein. Ok, je te disais que c'est pas les histoires de ce qu'ils ont fait à la fille de Makoso et puis elle est partie au Mali. C'est pas cette histoire. Ça là, si ils ont commencé, ben, ils ont fallait commencé. Fallait pas descendre Glagla, hein. Hé, Nzweba. Oui, elle la fallait pas la descendre, fallait la laisser. Oh.
Non, fallait même pas la descendre. Mais c'est pas grave. Je suis désolée, la poutine. Je suis désolée. Ok, vas-y, vas-y. Je peux ou je laisse elle finir d'intervenir. Michel, tu as fini? Non, j'ai pas fini, mais quelqu'un parle. Non, non, vas-y, Michel, finis et puis je vais intervenir. Vas-y, il n'y a pas de souci. Non, mon frère, on m'a coupé. Donc, du coup, voilà. Quand ça va me revenir, je vais reprendre la parole. Ok, après, okay. Bon. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis montée parce que cette histoire de Bordeaux et Sliki, ça dure. Ça fait quoi? On va dire, en gros, ça va faire 3 ans à peu près que ça dure. Et quand cette histoire est arrivée, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont enchaînés sur de Bordeaux. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont pris la défense même de Sliki Diabaté. Et je pense qu'après quelques temps, Sliki est parti à Abidjan. Et quand il allait à Abidjan, il naguait même de Bordeaux, hein, dans ses manières de faire. Et tout ça, la guerre de Bordeaux. Mais bon, les gens n'ont pas peut-être considéré ça, quoi. Donc aujourd'hui, si les Maliens sortent pour se décharner sur de Bordeaux, mais c'est la faute quelque part des Ivoiriens. Voilà, parce que je me dis que si on a un frère ivoirien qui a un souci, bah, qui puisse avoir raison ou tort, je me dis, on doit le suivre. Parce que voilà, la preuve aujourd'hui, si comme il s'appelle, parle pour dire que non, qu'eux, ils ne veulent pas que de Bordeaux vienne au Mali, c'est parce qu'on a accepté ça. C'est parce que dès le début, on a accepté tout ce que Sriki disait sur de Bordeaux, quand il naguait de Bordeaux et tout. Tous les Ivoiriens étaient derrière Sriki. Donc voilà. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est mieux que Aya, peut-être, comme elle a dit tout à l'heure, qu'elle fasse le direct dans l'après-midi, où tout le monde peut-être pourra monter pour intervenir. Ça va donner plus de force. Et puis... il faut qu'on soit derrière nos artistes, quoi. Il faut qu'on encourage nos artistes, il faut qu'on soit derrière eux, comme tous les pays, en fait. Il faut qu'on les encourage. Il faut c'est-à-dire que malgré tout ce qui va se passer, même avec les Maliens qui puissent avoir raison autant, moi, je me dis qu'on doit être derrière nos artistes. C'est tout ce que je voulais dire, quoi. En tout cas, beaucoup de courage à Desbordeaux. S'il va pas au Mali, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, il n'y a pas grande chose là-bas. Je suis désolée de dire ça, mais bon. Balle perdue. Donc, okay. Voilà. Merci. Merci, Queen. C'est vraiment gentil. Merci. Bill Kassa. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, allez-y, vous avez la parole. Ok, merci. Alors, moi, cette histoire... Oh, Bill, désolé, hein. Je voulais me muter, je vous ai muté par erreur. Désolé. I'm sorry. Vas-y. C'est bon? Payé à man, hein. Non, désolé, sorry okay. About that. Vas-y. D'accord. Alors, donc, cette histoire de Mali-Côte d'Ivoire, là, franchement, moi, je ne sais pas pourquoi on veut conjuguer avec ceux-là encore. Moi, je suis pour la réciprocité, hein, parce qu'on a trop duré dans ceux-là. Ça dit, c'est guetté. On a tous assisté ici. Vous savez, l'histoire de Debordo et Sidiki, là, c'est depuis le vivant de Arafat. Problème d'amitié Debordo et Arafat, là, Sidiki en faisait partie. Et c'est ça, le gars, il l'a décrié. Maintenant, on est passé là-dessus. Arafat, même en question... Aujourd'hui, il n'est plus tout ça là. Il y a eu discours. Desbordeaux a fait son discours. Maintenant, Sidiki est venu. Sidiki étant en Côte d'Ivoire même, il a commencé à narguer. Il a nargué Desbordeaux même. C'est-à-dire sur scène même en Côte d'Ivoire, chez nous même. Qui lui a fait quoi? Personne ne lui a fait quelque chose. Personne ne lui a rien dit. J'ai rejoint la sœur Queen qui dit, c'est en quelque sorte la faute aux Ivoiriens même. Voyez, c'était l'occasion aussi de remettre Sidiki au pas. Vous dites que nous, là, on peut avoir nos palabres internes, hein, mais quelqu'un d'autre ne doit pas quitter ailleurs pour venir se foutre de nous-mêmes, nos frères. C'est nous, on a cautionné ça. Raison pour laquelle les Maliens se croient. C'est-à-dire, ils sont en train de faire semblant de mourir aujourd'hui. Donc, maintenant, là, nous, on doit faire semblant de les enterrer. Tu fais semblant de mourir, on fait semblant de t'enterrer. Tout ce que vous êtes en train de raconter, vous dites, ah, oui, on va fermer, on va... Essayez, ce sont les enfants. Ce ne sont pas les enfants, ils savent que la Côte d'Ivoire, là, c'est le carré fou. C'est le carrefour. Si le grand maître Dims a dit que si tu es un artiste et que tu n'as pas fait un passage, si les Ivoiriens ne t'ont pas validé, c'est que tu n'es pas encore validé. Et comment le Malien m'a plaisantin qui est en train de parler là, lui là, il peut faire quoi à qui? Donc moi, je pense que là, on doit aller dans la réciprocité. Nous, de toute façon, il a lancé son mot d'ordre là. Nous aussi, on lance nos mots d'ordre comme ça. Si Desbordeaux est refusé au Mali, dorénavant, aucun artiste en Côte d'Ivoire. Égare à nous-mêmes, nos artistes qui vont vouloir jouer, genre, commander les petits concerts au Mali là-bas, là. Nous-mêmes, hein, le biaman encore pour le mettre dessus. Laissons à faire de, oui, si vous avez fait ça, nous, si nous on a fait ça, ça va pas vous arranger. Ce sont pas des enfants, ils savent. Ils sont au courant.
Ils savent que si nous, on a fermé sur eux-là, ce n'est pas bon. Ils savent ça. Donc moi, je suis pour la réciprocité. Œil pour œil, dent pour dent. Ça là, on a trop duré dans ça. Donc maintenant, là, on va aller sur le terrain maintenant pour lancer le mot d'ordre aussi. Si jamais un artiste ivoirien, que ce soit de Bordeaux ou bien qui que ce soit, est refusé au Mali, plus d'artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire encore. Bill. Hey, ouais. Tu m'entends, je peux te prendre une motion, s'il te plaît. Faut pas m'aider, c'est même qu'il est. Faut pas m'aider seulement le point artistique, que ce soit dans toute catégorie confondue. Même les petits entrepreneurs, les comédiens, tout. Personne même si ne doit mettre pied là-bas. Si on va même dans le côté entrepreneuriat, là. Il y a combien d'entreprises maliennes en Côte d'Ivoire? Combien? On peut pas compter. J'en connais plein qui évoluent en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il y a d'autres même à leur siège au Mali, hein, mais leur activité principale, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils existent. J'en connais plein. Donc là, on va, j'ai dit, laissez après des... Exemple. J'ai pas compris. De personnes que tu connais qui ont les structures ici. Et non, puis, non, je préfère telle, non. Mais non, en tout cas, je vous confirme ça. Je vous confirme ça. Moi-même, j'ai un parent proche même qui dirige une entreprise malienne en Côte d'Ivoire, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ça existe plein. Il y a plein même. Donc, laissez à faire des trucs ici. Allons dans la réciprocité, une fois pour de bon. Et puis comme ça, on va se prendre sur le tatami, on va voir le résultat là. On va voir ça arranger qui, ça ne va pas arranger qui. On est fatigué de ceux-là, leur chantage, leur truc et tout. Mali, au jour d'aujourd'hui là, au Mali là, demandez-leur combien de temps ils font en temps d'électricité par jour. Combien d'heures ils font en électricité par jour. Il faut leur demander, ceux qui sont au Mali là, ils vont confirmer. Ils ne font même pas 24 heures en électricité par jour. Ils ne font pas 24 heures. Donc, je ne vois pas quel artiste ivoirien. S'ils ont fait. Ceux-mêmes qui ont invité de Bordeaux, même là, ils n'ont qu'à décliner leur offre même. Et puis, on continue à être notre mot d'ordre. Ça veut dire pour se foutre d'eux encore là. Nos artistes là n'ont qu'à rejeter leur offre. Et puis, on place nos mots d'ordre. Là, il n'y a plus à faire des oui, arranger ou bien non. Allons directement sur mot d'ordre là. De façon, il a lancé là. On doit appliquer comme s'ils avaient refusé notre artiste même. Ça veut dire le simple fait même de lancer même le mot d'ordre là. Considérons ça comme si ils ont refusé de Bordeaux. Et puis, nous, on applique maintenant chez nous. À faire des bavardages. Écoutons dans ça. C'est ce que j'avais à dire. Okay, merci, B. C'est gentil. Merci, vraiment. Asbina, vous êtes là? Asbina? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y. Non. Bien. Allez-y, prends la parole. D'accord. Alors, pour ma part, je trouve que les deux côtés sont quand même un peu en erreur. C'est vrai que les Maliens, honnêtement, ils vont trop loin. Les menaces de mort, franchement, là, c'est aller trop, trop loin. Mais par contre, je trouve quand même que ça vaut pas trop la peine d'insulter tout le pays du Mali, d'insulter tous les Maliens, menacer de ne plus laisser les entrepreneurs maliens en Côte d'Ivoire et tout. Ça vaut pas le coup. Un pays, ça reste un pays. De Bordeaux a insulté tout le Mali. Ça fait mal. Quand on insulte ton pays, franchement, ça fait très mal. Et tout le monde n'a pas la même façon de réagir ou de dire, de pardonner, etc. Et c'est pas tous les Maliens qui en veulent à De Bordeaux, ça n'a rien à voir du tout. Donc moi, je pense franchement que menacer et puis les insulter, ça vaut pas vraiment le coup. Aïe parce que bon, c'est quelques activistes maliens. Aïe Bizna. Tu as vu le Malien qui a pris le drapeau de la Côte d'Ivoire pour essuyer sang des moutons, là. Tu as vu ça? Elle n'a pas vu ça. Non, franchement, j'ai pas vu ça. Ok, tape sur. Voilà pourquoi je dis. Mm-hmm. Écoute-moi bien. Va taper sur Google, YouTube ou bien TikTok. Mm-hmm. Tu regardes et puis tu reviens. Pardon, fais de la descente, n'ai pas envie de parler. Et puis, il n'y a même pas que ça. Toi, tu n'as pas suivi période de Cannes, là, ou bien tu veux tout le temps, même les Maliens, même ils insultent les Ivoiriens. Ça, c'est tout le temps ça. Ils mettent les lives, ils insultent les Ivoiriens. Ça, ils insultent même la Côte d'Ivoire. Attends, il y a tout le temps, ça, c'est tout le temps. Au fait, elle est venue se jouer au juge tellement logique. Elle a commencé par les bonnes phrases. Et après, on a vu sa position. Tu voulais défendre le Mali. Robot, elle a sa structure en Côte d'Ivoire.
Tu comprends? Faut laisser l'histoire si tu as bien commencé, si tu as bien écouté ce qu'elle a dit, elle a commencé par quoi? C'est pas la peine d'attaquer les activités et tout et tout. Elle a sa structure ici, donc c'est ce côté qui les protège. Ah, bon, ma chérie, si tu en parles, que tu nous entends, comme tu veux, on ne voulait pas rentrer dans ce domaine-là. Là, ok. Tous les Maliens. Merci, Bobo, merci beaucoup. Merci sur le territoire ivoirien. Merci, Bobo. Ils sont d'accord avec ce Chico, ce qu'il a eu à dire. Vous allez subir. C'est tout. Et puis, elle voulait se jouer aux gens cadres, je ne sais pas. Ma chérie, moi, tout ce que je peux te dire, va d'abord, tu te renseignes bien sur les choses et essayez de dire la vérité à vos compatriotes qui s'aiment, au fait, les magouilles. Tu as vu, au fait, la Côte d'Ivoire, la dernière fois, quand Robo a fait la bêtise contre le père de Sidi Kila, tous les bloqués ivoiriens sont sortis. Ils ont appelé même sur les panels pour l'asseoir, pour dire c'est bête et tout. C'est comme ça, ça marche. Même quand Babake a essayé d'attaquer la Guinée en disant les trucs là, les bloqués ivoiriens sont sortis pour l'appeler, pour lui dire ses vérités. Appelez vos Chico Chioto là, vous l'envoyez quelque part pour lui dire la vérité que non, c'est pas comme ça, il faut réagir et tout. C'est par là, il faut commencer avant de venir dire que non, on essaie de mettre les deux pays en palabre. C'est qu'elle met les deux pays en palabre. Si une personne comme ça prend son téléphone, il vient s'asseoir pour menacer quelqu'un de mort, pour dire que quand il va mettre ses pieds à Bamako, que voilà ce qui va l'arriver et tout. On ne souhaite pas. Elle-même, s'il a demandé là, est-ce que le monter sur un panel malien, au moment où ils sont en train d'insulter, diffamer, dit qu'à mes gars, arrêtez, ce que vous faites, c'est pas normal. Est-ce qu'elle a le cardio de partir là-bas? Est-ce que tu peux avoir cardio même, parole même, pour aller monter dans le panel de Maliens? Tu vas venir dire que non, attendez, hein, moi je vais parler comme elle a commencé ici, de Bordeaux, et tout et tout. Mon frère, on va te jeter dehors vite fait. C'est nous mêmes on permet ça là. C'est nous mêmes voilà. On permet les conneries, qu'on, les saletés, qu'on, c'est nous on permet moi, ça. Moi je vous dis la vérité. L'homme qui a un problème avec de Bordeaux, là, problème avec moi, d'accord? Beko, attends, l'année dernière, quand nos frères africains, ils avaient les problèmes au Maghreb, là-bas, qu'on partait sous les panels et tout, nous, on laissait les Maghrébins monter et causer bien. Mais quand nous, on partait là-bas, tu commences à dire seulement, tu dis salut. Quand on regarde ta peau et truc, on te dégage dehors, ton âme dehors. Elle va venir ici, là, comme elle dit, elle est entrepreneuse et tout, c'est que tu as une certaine mentalité d'analyse comme nous, qui avons été à l'école. Nous connaissons, en fait, faire la différence entre les choses. Commence d'abord par la base. Essaye de recadrer, au fait, ton Chico, avant de venir, au fait, essaye de passer un petit bon message de réconciliation avec les Ivoiriens. C'est comme ça que ça se passe, frère. Ma soeur, c'est comme ça que ça se passe. Que son accent, ici, même, on dirait une malienne, en fait. Son accent, t'as pas entendu son accent. Mais elle est malienne. Elle est malienne, moi, je sais. Si elle vient du Mayambougou. C'est les maliennes. Salut tous ceux qui vont monter ici pour venir essayer de gens calmer. C'est que tous ceux-là, ils bouffent en Côte d'Ivoire. Ils bouffent tous en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, on ne peut plus faire cadeau à quelqu'un encore. On va aller dans la réciprocité. Considérons que des Bordeaux a été refusé au Mali. Et donc, on applique notre mot d'ordre aussi. Pas d'artistes ivoiriens. Maliens, en Côte d'Ivoire encore. King, tu te rappelles qu'avant que Cédric n'arrive, quand il y a l'histoire avec des Bordeaux, là, étant même au Mali, il a fait une vidéo là, dit que toi, des Bordeaux, tu ne vas plus jamais mettre tes pieds au Mali. C'est lui qui a fait la vidéo là. C'est encore si les réussis ne me trompent pas. Ah, il a dit ça. Oui, il a dit ça. Il a dit ça. Quand il a dit ça, les mois qu'on suit. Il a dit ça chez Trace. En plus, c'est chez Trace, hein. C'est chez Trace, à la radio Trace qu'il avait dit ça. Voilà. Okay, il est venu à Abidjan. Vous pouvez le naguer encore dans nos radios. C'est un manque de respect. Il va se lever, il va dire que le bordel n'arrive pas là-bas. C'est qu'eux aussi ne vont pas arriver chez nous. Demain, c'est gâté sur le méta. On va allumer jusqu'à voir. Voir. Bonsoir, Fabrice. En fait, moi, ce que j'avais à dire, une minute, s'il vous plaît. Il y a Ariette qui était là avant. Une minute. Ariette, tu es là? Arlette Dakoury, une fois, deux fois, trois fois, Arlette. Kadi, prends la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ce que moi, je voulais dire, quand j'ai vu le direct de Chico, j'ai eu froid au dos, dans le dos, plutôt. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une personne qui est consciente, qui a toutes ses facultés, s'assoit devant son écran et profère les menaces de mort face à quelqu'un en disant que non, si de Bordeaux vit au Mali, allô? Faut coder les mots, sinon ils vont te sauter. Ok, d'accord. En disant que si de Bordeaux vient au Mali, il va pas sortir de là sur les deux pieds, ils vont le dja, ils vont faire ci, ils vont faire cela, même si il y a d'autres Maliens qui se permettent de le rejoindre dans ce sens, en disant que sincèrement d'ici il vient, il va voir ce qu'ils vont lui faire. Bon, moi je pense que c'est pas la peine même que des Bordeaux partent là-bas,
Parce que mine de rien, ça nous sert à quoi? Déjà, sur les métas seulement, on a eu plus de combien de millions de vues sur Djeneba Djaba. Il n'y aura pas de milliers de personnes au concert dont il doit aller là-bas. Donc, du coup, mieux il reste en Côte d'Ivoire. Parce que mine de rien, quand ceux-là, ils parlent, là, souvent, ils n'ont pas la tête sur les épaules. Franchement, c'est pas tout le monde, mais la majorité des personnes qui sont là-bas, qui iront au conseil, ils vont juste aller, juste parce qu'ils ont appris que Debordo sera là-bas. Donc, c'est mieux qu'il reste ici, même, c'est mieux. Nous, on a besoin de lui. Voilà, on a besoin de lui. On va pas aller ramasser la poussière là-bas et puis revenir ici. Ça va venir et lui donner la maladie et autres. Là, c'est mieux. Il n'a qu'à rester ici. C'est ce que j'avais à dire. Alors, la mondialisation que nous réclamons aujourd'hui, nous voulons être vraiment des personnes ouvertes d'esprit et avoir une, comment on appelle ça, multiculture et autres. Se soutenir, au fait, en Afrique et soutenir nos cultures, ça part à la base d'abord sur l'histoire de pardonner les choses. Et si de Bordeaux a eu à excuser, à demander pardon au peuple malien que ça a été accepté, c'est pas un criquet qui va quitter quelque part. Sidiki aujourd'hui, il est star. Ce n'est pas seulement qu'au Mali qu'il est connu. Il fait le tour de l'Afrique. Ça veut dire que il y a d'autres cultures et d'autres peuples qui acceptent d'ouvrir leurs portes à Sidiki. Donc, acceptez cela que De Bordeaux a le droit d'arriver au Mali. Si vous bloquez De Bordeaux, ça veut dire que vous gardez vos artistes aussi chez vous. C'est comme ça que ça se passe. C'est la réciprocité. C'est comme ça que ça marche. Si vous ne voulez pas qu'on marche ensemble... Bon, s'il te plaît. Tu vois pourquoi je dis tout à l'heure que non, qu'il reste ici. Parce que j'ai vu sur leur plateau télé aussi... ils ont posé la question à un monsieur de savoir quel est son avis concernant le départ de Debordo sur le Mali. Il a dit automatiquement que non, ils ont essayé de lui faire comprendre, mais il dit non, que parce que Debordo a insulté les Maliens, il a insulté le Mali, il a fait ci, il a fait cela. Ok, une personne qui est venue, qui a pris sa caméra, qui a insulté le Mali, il a fini d'insulter là. Il est venu s'excuser. On a vu pendant la CAN ici tout ce qui s'est passé. Mais après ça, on est passé dessus. Mais il y a trop de laisser aller au fait. Quand eux, ils disent qu'un artiste ivoirien ne rentre pas au Mali, ça reste sûr pour eux. Hein? Mais pourquoi, quand eux, ils doivent venir ici, on doit accepter forcer? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'après ouais. eux-mêmes, on peut dire « lève-toi à ma place », mais on ne peut pas dire à une personne « lève-toi sur la volonté, j'en suis ton destin aussi ». Voilà. Ça, c'est eux-mêmes les paroles qui sont là. Moro, mais c'est Kaouli, Sigioro, là. Mais c'est Kaouli, Moro, Dakana. Debordo, à part Dakambolo. Donc, du coup, là, on n'a qu'à arrêter de se fatiguer. Il n'a rien fait, c'est vrai, il a insulté. Mais il a insulté pourquoi? Pourquoi il a insulté? Il sait pourquoi il a insulté. Est-ce qu'il s'est levé comme ça un matin pour insulter les Maliens? Non. Il y a eu quelque chose. Émotion. Au fait, il y a des gens qui pensent que Debordo, là, lui, se lève parce qu'il faut se lever pour frapper. Franchement, si moi on me fait rien là, on me fait rien, moi il me lève pour sortir pour insulter quoi. Jamais. À un certain moment, même sur la page même de Moulou, même moi il s'est pas lui demander, mais tu crois que quelqu'un se lève comme ça pour t'insulter sans que toi tu n'as rien fait? Ah, nous sommes tous africains, c'est forcément ils ont fait quelque chose à cause de réagir. Donc après ça là, si les années sont passées, que le gars s'agit, vient, il demande pardon là, un peu parce que en âme et conscience, vous devez être intelligent pour accepter ce pardon là, pour retenir, pour remédier à une paix quelconque. Mais quand un blogueur comme ça, si on peut parler pour rencontrer sa maman là, on doit répondre aussi par Biéa. Peko, j'ai vu une vidéo où Debordo était assis avec les Willy Dombo et autres là. Il y a un Malien qui lui a dit sur le plateau que ah, faut venir au Mali, on t'attend, faut venir faire le Djeneba Djaba là-bas. Il a été clair. Il a dit Bekbe devant les caméras, il dit si je rentre au Mali, que je ne ressors pas sur mes deux pieds. Les gens ont commencé à rire. Mais après, il a compris que non. Et puis, il a mis ça dans l'amusement. Et puis, il a dit non. Que s'il rentre, qu'on ne paye pas son billet d'avion pour le retour. C'est pas un enfant. Il sait ce qui va aller se passer là-bas. Nous tous, on connaît les mentalités ici. Donc, faut pas on va se blaguer pour dire que non, il va partir. Rien ne va se passer. Ceux-là, ils vont faire quelque chose. Donc, mieux profaner les menaces de tuer sur la vie de quelqu'un. On s'en badine avec. Mais après, faut pas qu'on aura nos deux yeux pour pleurer. Donc c'est mieux qu'il continue. S'il ne va pas au Mali, là, je ne sais pas ce que ça va enlever sur sa carrière. Quoi. Il y a plein de pays qui sont là. On a le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, voilà. Partout. Voilà. Donc pourquoi aller là-bas forcément? Ce n'est pas ce qui va faire que tu seras le plus grand artiste ou bien je ne sais pas, tu vas prendre plus de millions de CD. Je ne sais pas, reste chez toi, c'est tout. Si tu n'es pas allé là-bas, ça ne va rien changer.
Ouais, attendez d'abord. Aspina dit qu'elle m'a envoyé un message en privé. J'espère que ce n'est pas un jus. Si c'est un jus, là, vous laissez goût là, c'est je t'ai chargé. Je tape l'œil. D'accord. Ouais. Donc, moi, okay. Au fait, en tant que panafricain, écoutez-moi d'abord. Je ne suis pas ce mec-là qui défend seulement que la Guinée. Je suis un panafricain. Donc, tout ce qui dérange, au fait, dans le continent africain, là, je parle de ça que vous voulez, oui ou non. Reconnaissez que Debodo, il a fait un truc qui n'est pas bien. Mais après, il est venu, il a demandé pardon. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme. Et du fait qu'il est revenu demander pardon et qu'on vous laisse, que vous, les artistes ivoiriens, vos footballeurs, parce que quand on dit artistes, là, il y a footballeurs dedans, il y a danseurs dedans, il y a comédiens, vous, les grands M, là, eux tous, là, ils vont en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut voir. Maintenant, si on vous laisse partir là-bas, qu'au contraire, vous voulez bloquer les artistes ivoiriens, vous n'êtes pas qu'ils arrivent, vous faites en Côte d'Ivoire, alors là, ça touche l'Afrique, c'est pas au fait la Côte d'Ivoire que ça touche, c'est ce qui vous fait mal. Vous voulez que je sois là pour dire que non, ouais, les Maliens ont raison, mais Chico n'a pas raison. Et ce petit peuple qui suit Chico là, ils n'ont pas cette bonne moralité pour qu'on se donne la main en Afrique pour avancer. C'est ce qu'on dénonce. Acceptez cela. On veut juste que, de la manière vos artistes, attendez s'il vous plaît, de la manière vos artistes vont dans d'autres pays. Alors pourquoi Sidi Kidjabaté ne reste pas, il ne reste pas, comment on appelle ça, il ne reste pas au Mali. Sidi Kidjabaté, vous ne le connaissez pas mieux que moi. Même le 10 décembre, là, il a tourné, à partir du 10 décembre prochain, là, il a tourné en Europe ici. Je fais partie de son staff parce que c'est là comme son média. Mais c'est des gens-là, moi je les courtoise et c'est très bien qu'eux, ils n'ont pas la mentalité, là, ils ne marchent pas avec ça. Mais c'est vous les frustrés, vous venez chercher abonnés, vous mettez le peuple en problème, que vous livrez avec votre téléphone, vous venez charger. On peut parler aussi. Ok, en fait, on va passer la parole à Touti. Vas-y. Oui, Kin, attends un peu. Attends, je vais dire un truc vite fait. Moi, en fait. Moi, j'ai une motion depuis les. Bon, vas-y, alors, dès que tu finis, moi, je fais ma motion, alors, vas-y. Robo, ce que tu es en train de dire, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Faut pas t'as dit que. Comment il s'appelle ce gars-là? Sidi Kidjabaté n'a pas cette mentalité, je suis désolé, sa vidéo encore là, elle existe bel et bien. Oui, il dit, oui, fort, tout le monde a entendu. Donc, il est d'accord avec ça. Moi, je dis, s'il dit que Diabaté vient d'appuyer ici, je suis désolé. Mais là, je peux avoir ma petite motion vite fait. En fait, oui, moi, attends, je veux dire que... Laisse Queen finir rapidement, tu passes et puis on laisse la parole à tout. Voilà, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'en veux pas même, j'en veux pas à forcément à Sriki. Moi, j'en veux aux promoteurs qui font venir les artistes maliens. Voilà, parce que quand cette histoire s'est passée avec Debordo là, c'est un promoteur qui a envoyé Sriki. Et puis, il est venu sur le territoire ivoirien et puis il est venu naguer Debordo. Donc, même si on va parler là, on n'a qu'à parler aussi aux promoteurs qui font venir les artistes. Le aussi, tout. Merci, Queen. Merci. Donc, c'est les promoteurs. Parce qu'aujourd'hui, là, ça veut dire que là, Aya va faire le combat. Vous allez voir que d'autres personnes vont sortir de l'autre côté là-bas, essayer de défendre, c'est-à-dire des Ivoiriens, hein, essayer de défendre du côté des Maliens. Et les promoteurs, les mêmes promoteurs là, vont se lever encore pour inviter Sriki dans le mois de décembre, bien janvier, pour dire que oui, nanana. Donc, c'est tout cela, c'est les promoteurs. C'est les promoteurs. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Parce que même si Sriki, il a assis, c'est le promoteur qui l'invite, il ne se lève pas de lui-même pour aller en Côte d'Ivoire. Hein. Et puis quand l'histoire s'est passée, c'est même Trace là qui a invité Sriki. Et Sriki, il est parti, puis il a nagué encore le fils du pays. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais là, tout va se faire, tout va se savoir. C'est le promoteur qui sort dans le dos pour aller faire les choses en soum-soum. On va le voir ici. C'est tout. C'est tout. Oui, ils veulent l'envoyer. Oui. Il faut faire tout ça, c'est pour ça qu'ils font ça. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tous ceux qui vont venir parler de paix, non, on ne veut pas, attends, je ne suis pas d'accord. Parce que quand les autres, quand la parlent là, vous ne réagissez pas en dedans. Donc, quand l'Ivoirien se lève, l'Ivoirien est fâché, laissez l'Ivoirien aller au bout de ses idées. Moi, je dis et je répète que si, comme ça même, de Bordeaux ne rentre pas sur le sol malien, plus de Maliens sur le sol ivoirien, que ce soit artiste, que ce soit entrepreneur, que ce soit qui que ce soit, partisan au peuple, plus de Maliens ici. C'est tout. Voilà. Oui, Richard, si je te parlais que non, il n'a pas cette mentalité-là. Lui, il ne va jamais prendre son lali pour venir divulguer ce genre de messages de haine, au fait. C'est de ça que je veux parler. Tu comprends un peu de mon message que je veux passer. Sinon, là, moi, comment on va se retrouver
nos artistes vont se retrouver ensemble, faire les trucs ensemble, monter, descendre ensemble là. Ça aide nos cultures africaines. C'est tout ce que moi, je veux. C'est pas les petits criquets, petits pieds de Chico qui a venu inciter à la haine pour venir. Lui, il est qui? Au Mali, même là-bas, là, derrière son téléphone, quand il rentre au Mali, il a quel statut? Parlez-moi des grands types au Mali, là-bas, qui ont des statuts, qui peuvent garantir peut-être un artiste ivoirien pour dire que l'artiste là va pas venir, il peut comprendre. Lui, il peut créer quoi à Bamako, là-bas? Qu'est-ce qu'il peut créer? Donc, il ne peut pas rentrer au Mali, voilà. Même il ne peut pas rentrer, c'est interdit pour lui. Si c'est un rentrer. Exilé, si c'est un exilé déjà, ou bien il a un autre problème même, s'il veut qu'on prenne son dossier même pour bien fouiller en gars dedans, pour savoir pourquoi il est collé en Bengue ici, qu'il ne rentre pas au Mali là, on va s'occuper de ça, Poutine et puis moi, on lui donne juste 24 heures, et puis on va aller chercher son avenir même, ses arrêts, grand-père, de quelle archive il vient, on va aller checker ça pour revenir avec ça, et puis on va déposer devant tout le monde ici. Mais lui-même, il a dit, il peut pas rentrer au Mali, qu'ils ont déjà créé des groupes WhatsApp pour ça. Qu'ils ont déjà créé des groupes WhatsApp pour ça. Quelqu'un derrière son téléphone qui parle de groupe WhatsApp et autres là, qui a fui son propre pays parce qu'il est venu demander pour, asile politique peut-être ici en Europe. Qu'est-ce que lui peut créer, sincèrement? Il peut créer quoi? Okay. Il peut créer quoi? Robo, vas-y, on va passer la parole à Tutsi. C'est bon? Tutsi, tu es là? Tutsi Ndeye? Tutsi? Tutsi, une fois, deux fois, trois fois? Ok. Parce que je vais la descendre prendre quelqu'un d'autre. Elle est là, je ne veux pas la faire descendre. Elle est là. Ah, franchement, ok. Vas-y, je t'envoie une demande, accepte. Non, juste. Oui, vous étiez muté parce qu'il y avait du bruit. Quand ça parle, ça fait écho. Allez-y. Oui, vous m'avez muté. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, mon avis que je voulais donner là, pour moi, hein, si c'était simplement moi, l'offre même d'aller même faire un spectacle au Mali par rapport à Desbordeaux, même, c'est même pas nécessaire. Parce que où le problème est en train d'aller là, ça va devenir un problème de nation. D'où? Quand on parle de nation, il y a la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Burkina et tout le monde n'a pas la même mentalité comme actuellement certains blogueurs, comme le blogueur là, et comment il s'appelle, Chico là, comme le blogueur Chico en train de attiser la haine comme ça. Parce que si après tout le monde se retracte pour dire oui, Desbordeaux vient pas, s'il dit qu'il vient plus ici, faudrait pas que les autres nations, en parlant des pays voisins, surtout francophones, entrent dans cette danse là. Et après c'est nous, notre artiste qui perd quoi. Parce que dans toute chose là, faut tirer son intérêt. Et qui parle de son intérêt? D'abord, nous, les Ivoiriens. Faudrait pas qu'après, ça rentre dans une haine, je sais pas comment dire, dans une haine de pays africains. Tout ça n'ira pas là-bas. Faut pas faire les choses comme cela. Comme okay. La fille de Makoso, ils l'ont refusé au Burkina, là. Non. Il ne faut pas créer problème de nation. C'est pas dans ce sens-là. À la fin, là, Desbordeaux, comme s'il dit qu'ils savent tous, Desbordeaux, comme s'il dit qu'ils, Desbordeaux, Ivoirien, comme s'il dit qu'il est malien, c'est tous des artistes africains. Dans le sens où faudrait pas que peut-être des artistes béninois ou des artistes guinéens ou des artistes togolais, par exemple, entrent dans cette danse-là. C'est vrai qu'il y a la réciprocité et tout. Tu m'attaques, je t'attaque. Mais après, faudrait pas que ça s'étende. Tutsi, pardon, je peux placer une motion, s'il te plaît. Oui. Alors, dis-moi, quand toi-même, quand tu t'assois, et puis tu regardes autour de la Côte d'Ivoire. Je suis même pas d'accord, ça c'est clair. Non, non, laisse-moi finir. Quand tu t'assois, tu regardes autour de la Côte d'Ivoire. Quel pays, à part le Mali là, ou et peut-être le Burkina, parce que eux aussi là, ce sont des suiveurs aussi, qui va donner un mot d'ordre à interdire un artiste ivoirien chez eux? Je suis d'accord. À part ces deux pays que j'ai cités là. Donc faut laisser affaire des. Oui, ça va aller de pays en pays. Non, 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 ça n'ira pas à quelque part. Ça n'ira pas à quelque part. En fait, quand vous venez parler comme ça, là, c'est vous donnez de la contenance à ceux-là. Non, 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 ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, je suis dans le sens où déjà même l'offre même est à décliner. L'offre même d'aller même faire un spectacle chez les Maliens, ça a décliné. Et à pousser, nous, notre artiste qui est des Bordeaux, ivoirien, à ne même pas rentrer dans cette danse-là. Parce que si on veut rentrer dans les clashs-là, vous voyez un peu, non? Je sais pas si vous suivez ce que je dis. Si on veut rentrer dans ces clashs-là, ça va pas finir. C'est de déjà même dire à l'artiste même,
trouve un autre pays même, trouve tes, vois avec tes promoteurs, pourtant, vois c'est avec dans clash, c'est dans clash là on doit rentrer. C'est dans clash là on doit rentrer. Permets-moi, hein, je vais te donner un dernier mot et puis après moi, je vais te descendre, s'il te plaît. Comme je bosse en même temps là. En fait, cette histoire là, en fait, c'est oui, le. C'est, oui, pardon, excuse-moi. Moi, je suis pas d'accord. Laisse-la finir parce que. Non, non, il peut pas. Je suis en train de travailler là. Si il prend un client là, je ne pourrais plus truc en fait, pardon, s'il vas-y, te plaît. Vas-y, vas-y. En fait, cette histoire de Sidiki, de déborder Sidiki là, en fait, le mot d'ordre que Sidiki a lancé depuis la Côte d'Ivoire là, c'est le même mot d'ordre là que les Maliens sont en train de suivre. Je suis d'accord. C'est le même mot d'ordre que les Maliens sont en train de suivre. Donc pourquoi nous, on n'applique pas la même chose chez nous? Parce que Sidiki, c'est un monument. Sidiki, c'est un monument. Sidiki, c'est un monument au Mali. On n'a pas la même mentalité. De la manière attends, que nous... Attends, laisse ça. Au bout d'un moment, là, quand quelqu'un se jette dans la boue, souvent, c'est important de se jeter aussi dans la boue pour lui montrer que nous tous, on peut être sauvages. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec ce que Bill dit. Mais moi, je pars dans le sens où on n'est pas obligé de suivre. Vous savez, les Maliens et puis les Ivoiriens, c'est pas la même mentalité. Eux, ils sont à fleur de peau. Ce que nous, ici, on prend pour rigoler, là, eux, ils prennent ça au sérieux. C'est-à-dire, eux, je sais pas comment dire. Vous-même, vous voyez un peu sur les réseaux comment ça se passe. De la manière, nous, les Ivoiriens, on est passifs, là. Les Maliens, c'est-à-dire que, ils sont à fond dans extrapoler les choses. Et nous, on n'a pas besoin de rentrer dans ça avec eux. Tout ce qu'on peut dire à notre artiste, tu déclines l'offre. C'est les fêtes de fin d'année. Je ne leur donne même pas l'heure.